Bonsoir YouTube. Ah, bonsoir YouTube. Bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Shinaïm et de Knarfang pour un nouvel épisode de War Tales, sûrement le 175e, qui durera probablement 4 ou 5 heures et demie comme d'habitude. Dirais-je bien gaming, mais j'aurais peut-être vous saouler puisque je viens de le dire dans l'intitulé, mais quelque part je viens de le dire. C'est incroyable, bref. On essaie de concurrencer quelqu'un avec Skyrim. On essaie. Non, on fera moins d'épisodes, je pense. Je pense que on n'est pas désespéré. Ah, on peut utiliser une clé grossière pour ouvrir ce coffre. Nous n'avons pas de clé grossière. Nous sommes... non, on est allé à gauche, droite, tout. On n'a pas tout fait. Ah, putain, je me rappelle plus alors, de rien. Si je me souviens bien, il y avait un... Ah, il y a des trucs à inspecter, là. Ah oui, lire. C'est toi qui es concerné, je crois. Ouais. Ah, c'est toujours les femmes qui savent lire, là. C'est une prière pour que l'œuvre de l'artiste survive à la destruction. Suspense. Attends, il n'y avait pas de symbole dans cette pièce. Hein. Alors, on avait déjà trouvé deux symboles. On avait trouvé la Triforce bleue et un cercle jaune. Ok, on était donc allé à gauche, croix et à droite, mais on n'était pas allé en face. On va quand même rebip à gauche. Oui. Histoire de voir ce fameux truc qu'on n'a pas vu. Et avant ça, si tu veux bien annuler, je crois qu'il va falloir que je change la torche sur tortue. Ah, il l'a changé tout seul. Ok, il a repris la torche qui était en réserve. J'ai rien dit. Okay. Je te propose d'aller inspecter ceci. Ouais. C'est toi que ça concerne. Alors, est-ce que tu peux le jouer ou pas? Ou toi ou pas? Non, je peux pas. Est-ce que je peux ping? Ah, je peux ping! Oh, je peux ping! Je ne peux rien bouger. Plaît-il? Ouais. Plaît-il? Ah, attends, je sais peut-être pourquoi. Sors. Sortons. Ah! C'est pas moi qui ai la pièce de puzzle? C'est qui, lui? Tiens, prends la pièce de puzzle. Solvius, le grand résolutionneur. Deux secondes, je vais faire une sauvegarde. t'as reçu la pièce de puzzle là, dans la boîte. Récupère-la. Parce que c'est peut-être ce qui nous empêche de le faire. Ah ouais. Parlons au perché, au monsieur perché. Eh bien, vous semblez avoir le plus grand mal à résolutionner cette énigme, cher mercenaire. Par chance, moi, le plus grand résolutionneur du monde, je suis disposé à vous aider. Pour une modeste somme, je résolutionnerai ce casse-tête qui vous fait perdre votre temps. On peut le convaincre ou payer Solvius pour résolutionner le... Refuser. D'accord, ils ont vraiment mis un mode les petites roulettes, ok. Et normalement, maintenant, tu devrais pouvoir le faire. T'as la pièce. Ouais, mais... Ça marche ou ça marche pas? Non. Mais je n'arrive pas à bouger les pièces, pourquoi? C'est cassède. Je peux même pas partir. C'est quoi ce bordel? Ah mais ouais, ah d'accord, j'ai compris. Je vais te filer mes là. Ok. Ah, tu penses qu'il y a que moi qui peux le faire? Ouais. Attends, on va aller dans le campement. Il y a que dans le campement où. Oh, stylé le campement ici. Ouais. Mets là. Transférer sous le compagnon, confirmer à Knarfang. Je te l'ai transféré, tu me le rendras après. Je te reprends le cube. Oui. Le cube de puzzle au cas où. Tiens. Je crois que ça concerne une autre quête. Voilà. Ok. C'est bon, d'accord. Je peux faire des choses. Bah, moi, je pouvais pas. Je peux faire des choses. Je sais pas ce que je fais, mais sache que je le fais. Ouais. Moi, je trouve que ça sonne bien comme ça. Ça serait presque pas mal si c'était pas un peu de la merde. Mais il y a une idée. Il y a de l'idée. Faut que je ramène le pied qui est là-haut, là. Faut que je le ramène ici, là. Donc là, il faudrait que je fasse tac, into, tac, into, tac, into, tac, into, tac, tac. Into, ouais. Tac, tac, tac. Ça, c'est bien cette côté-là. Ah oui, mais il faut que je ramène celle-ci aussi. Et lui, je suis en train de me demander. Ah oui, il a la bordure, donc il va à gauche en plus. En plus de ça, il va à gauche. Waouh, il commence à m'emmerder. Donc lui, en fait, il va là. Ouais. Ça va être chiant, ça. Ouais, un peu. Enfin, je vois très bien où vont les pièces, mais...
Alors, si jamais tu me poses la question, YouTube, sache que je trouve ça chiant. Hein. Voilà. T'adores les puzzles. Bah, pas spécialement. Hein. Eh, hey, il y a le mode petite roulette à côté si tu veux. Comment ça? Foutez de ma gueule, monsieur, en plus? Non, c'était bien ce que tu faisais. Ça aurait pas été plus simple que j'aille directos comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Tu le ramènes comment? Non, 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 c'était plus intéressant dans l'autre sens. Ouais, ouais. Ouais. Lui là au milieu, là tu le montes. Tac. Tu le redescends. Tu le redécales. Tu le remontes. Et là, ce qui m'emmerde, c'est là. Ce qui m'emmerde, c'est que lui, il faudrait qu'il redescende là. J'entends me demander si lui, je le remonte pas celui-là, ici, lui, là. Parce que lui, il va là, hein, normalement. Celui-là en bas. Celui-là en bas, tu penses? Ça comme là, ça. Là, tu le remontes. Je le remonte, lui? Ouais. Attends, quoi que. Non, reviens en arrière. Oh, ça me paraît obscur, là. Là, déjà, il faut que j'arrive à remettre lui au milieu, là. Lui au milieu, en haut. Lui en haut au milieu, ça veut dire que je dois faire un truc comme ça. Normalement, je dois ramener lui là. Et je suis emmerdé parce que du coup, j'ai remis mon motif. En fait, j'en ai toujours un qui n'est pas au bon endroit. C'est en train de me gonfler. J'en ai deux qui sont pas au bon endroit. Vu qu'on me propose la version petite roulette pas chère pour pas emmerder YouTube, ça me paraît parfait. Convaincre le monsieur pour 60 d'influence. Non, mais bon, on a vu le principe. On a vu le machin. Et voilà, cette énigme est résolue proprement. Voilà. Mais du coup, je sais pas si on a de l'XP. Vous avez redécouvert la rune des montagnes. Mais de toute façon, là, tu t'en fous parce que je crois que c'est même pas là que tu gagnes ton vrai XP. Hein. Ouais. Ah, après, oui, on aurait peut-être pu. Ouais, je sais pas. Ok. Eh ben, je peux pas sortir. Donc, je retourne au camp. Je te rends la fille. Je sais plus comment je te rends la fille. Ah non, je la garde. Bah, si, tu me la rends. Je te la rends tout de suite ou pas? Bah, ouais, vaut mieux. Yes, je vais pas y arriver. Où est-ce qu'elle est? Je sais pas où est-ce qu'elle est. C'est Sophia? Non, c'est pas Sophia. Non, c'est Mela. Mélanine, Méladone. Tu fais un clic droit sur son portrait et en fait, en bas, tu vas avoir un petit bonhomme avec une flèche. Mec, je la vois même pas dans le campement. Eh ben, cherche pas dans le campement et va en haut à gauche. Mais je veux la trouver dans le campement, elle est où? Elle ne fait rien! Ah bah, pourquoi elle fait rien? Bah, elle fait rien. Voilà. Maintenant, elle fait quelque chose. En fait, elle était debout derrière la tente. Elle c'est pour ça que je la voyais pas. Ah, mais c'est parce que je l'ai. Le changement l'a peut-être fait. Voilà. Oui, oui ça l'a fait sortir. Que... Donc, tu peux la replacer. C'est fait. Voilà. Elle foutait rien. Et donc, on a découvert la rune. Du coup, elle a pas eu d'XP de métier. Ouais, 0 sur 80. Est-ce que tu veux qu'on la retente Non, c'est bon, c'est bon. Elle va gagner l'XP avec les artefacts et compagnie. Ouais. Ok, bon, bah, levons le camp. Certes, sortons d'ici maintenant. Comment... Bah, sortir en bas. Sortir en bas? Bah, en bas, t'as pas le bouton sortir. J'ai pas le bouton sortir en bas. Oh non. J'ai pas de... C'est emmerdant, ça. C'est embêtant, ça. Je suis pas en pause, je suis rien du tout... J'ai pas d'option, je peux rien faire. Avec un échoppe? Bah, échoppe, moi je peux rien faire en échoppe. Échoppe, ça m'ouvre le menu, quoi. Ok, d'accord. Ben. Ok, c'est bugué. C'est génial. Ah, il y a des petits points faibles, ton tube. Hein. Ouais. Hop là. Pitié, j'espère que ça nous. T'as sauvegardé avant? Oui, avant de. Je te rappelle quand on a vu l'autre bouffon apparaître. Ah oui. Bon, est-ce qu'on tente de la refaire Oui, ça passe sur YouTube. Surtout que le problème, c'est que si on le fait pas nous-mêmes, j'ai peur que ça nous refasse le même bug. Mmh. Donc, je récupère le commandement de la fille. Ouais, bah tu l'as, non À ce stade, je crois pas. Non. Ok, bah attends, je termine de rentrer dans le truc. Tac. Non, il faut aller dans le campement, c'est vrai. Non, t'as pas besoin d'aller dans le campement. Si, je pouvais pas te la donner sans. Si, depuis la liste de personnages en haut. Moi, j'ai la possibilité de te transférer le commandement. Depuis. Vas-y, là, tu peux le faire?
Ouais, let's go, novice, c'est parti. Alors. Ah, ils m'ont mis la version facile petite roulette, hein. Oh, ils ont senti que ça m'avait énervé. T'as vraiment eu la facile petite roulette. Ouais, on a donc découvert la rune de montagne. Ok, donc on n'a pas besoin de recliquer dessus à partir de là. Moi, je clique en haut à droite, je clique sur Mela et je fais. Ah, je peux pas te la transférer. Là, je pouvais Ah! transférer les autres, mais là, je peux pas te le transférer. Ouais, parce que là, on n'est pas dans le campement. Ah, c'est parce Là, que tu toi, peux. t'étais dans le campement. Petit canaillou. Oh! J'ai été plus rapide que toi! Et, mais là, elle retourne dans la tente. Exactement. Aïe! Très bien, donc nous avons ça, donc nous avons le petit cercle jaune. Bien, t'as Ici, vu? c'est noté. Hop, par là. On a un Il y a triangle bleu. inspecté. On peut inspecter ce barde. On peut Oui. chanter. Allez, on Chanter. fait Est-ce péter. que nous avons un barde? Alors, Nous on n'a pas de n'avons pas barde. de barde. Bon, on chante pas. On se casse d'ici. Bah, faut qu'on aille chercher un lancier. Ou je sais pas quoi. Vous sentez un Sentez un souffle souffle chaud sur chaud notre dans épaule. l'épaule. Ah. Des rampants moches de niveau 7. Et Niveau ils sont 7, ah moches. ouais. Qu'est-ce qu'ils sont moches? Bon, ça va, ils sont du niveau de. Du coup, il n'y en a pas un qui est niveau 7, il n'y a Si, que Os de il y en Bard. a un. Il y a Os de Bard qui est niveau Oui, 7. bah ouais. Alors. Il y a Osdebard qui pèse. Ça va, on a pas mal de torches encore. Ok. Oh, ces bâtards, regarde. Quoi? En fait, si tu tiens quelqu'un, tu peux illuminer. Ah, mais on peut pas voir les mobs. Ok. Tu peux juste voir la forme de la pièce, mais la pièce est affichée vide. Ouais. Mais ça te permet de voir la forme quand même. Ouais. Voilà, J'aime voilà. pas trop les laisser. Bah, Zinlan, il va s'en prendre une dans la gueule. Je vais mettre Sophia devant. Voilà. La cochonne, elle est nyctalope, tu crois? Non. Oh putain. Je vais en faire quoi? Mais là, la place de Tartorus. Ouais, voilà, Non, je on l'ai est mise bien au là. milieu, vraiment je l'ai mise en protection quoi. Oui, On a des un os de dalles. barde sur un côté. Mon mur. Ah oui, mon beau mur, d'accord, ok, tu vas prendre la place, là, tu vas te mettre au milieu. Ok. Je commence avec mon mur. Donner un point, ok. Oui, bah, il n'y a pas besoin de plus. Après, on est à fond. Ouais. Repousser les ombres! Bon, bah, c'est bon. J'ai repoussé l'ombre. Allez, c'est Torturus qui va tout manger. Est-ce que tu veux que je mette une zone avec Zinlen sur au moins un gars? Ouais, je pense que sur Torturus, va y pas y en avoir qu'un qui va arriver. Alors je vais me coller au lieutenant, qui a changé de prénom entre-temps. Il sera plus juste Tac. Will, mais de nouveau. Mais Faut juste que je me déjà, décale tu peux ici. taper dans le rang. Hein. Si jamais tu Ouais. t'es positionné du bon Est-ce côté. que tu veux bien faire une petite sauvegarde? Parce que sinon j'ai une chance de toucher à Torturus. Bah oui, tu t'es mal placé. Au secours. Insupportable. C'est pour ça qu'on veut qu'il meure. C'est bon? Oui, tout à fait. Vous pouvez exécuter un ami. Bien joué. Bah, vous avez réussi à toucher un ami, puisque vous n'êtes qu'un rat. Toujours gratos. La cochonne. Je vais aller la sauver avec Mela ou Sophia. T'en penses quoi? Avec une torche. C'est mon avis sur la question. Essaye de voir si on peut l'enchaîner. Si on peut le livrer, tu l'enchaînes, tu l'encordes, tu fais un truc, tu vois. Ah, j'en ai trouvé un. En Excellent. plus. Alors, je vais juste me déplacer un petit peu ici. Parce que si je le tue, voilà, par mes gardes. Je peux retourner lui patater la gueule. Un coup de torche gratuit.
Et un petit ici. Et au final, je n'aurais consommé qu'un seul point. Ouais, c'est pas mal. Ah tiens, vers Os de Bard, t'as un client. Ouais. Et pour l'instant, je l'ignore, il est trop petit. Mon mur là, mais là. Est-ce que tu veux que j'aille secourir Ah non, vas-y avec Will. De quoi? Sur Torturus. Oh, y a pas besoin. Tortorus, c'est le mieux protégé dans la zone de Zinland, normalement. En fait, c'est parce que s'il se refait engager, il régénérerait un point. Torus, s'il se fait Ah oui. engager, un point. Ok. Donc là, tu mets juste une auto-attaque ou ouais, ça, c'est bien. Voilà. Et. Bon, je vais. Ok, c'est pour la cochonne. Je pense que je vais aller soigner la cochonne. Un coup. J'y vais avec Mela. Je vais soigner la cochonne. Et taper le râteau. Ça te va? Oh ouais, vas-y. Alors, soin de cochon. Ah, je lui en rends de la vie. Ouais, ils ont beaucoup de vie, hein, donc vu que tu es en pourcentage de PV. C'est comme toujours, Ouais. hein, quand tu les regardes. Ah oui, ils perdent 15% de PV, que tu vois un ours qui perd 80 points de vie, tu fais waouh, mais il est mort! Non, non, en fait, ça lui a presque pas bougé. Le mec a Il 800 perd PV, il s'en fout. Voilà. Ah, je crois que j'ai entendu tirer, je crois. Ouais, moi aussi, je crois que j'ai entendu tirer. Ok, les vrais embrouilles commencent. Waouh, elle prend cher, la pauvre. Heureusement, elle est supportée. Ah non! Elle s'est fait engager. Oh, c'est spécial. Edenal, peut-être? Tu veux que je te libère, Os de Bard? Ça me paraît pas mal. Mais éventuellement, si c'est très sécure, tu peux aussi libérer une cochonne. Même si je pense qu'il vaut mieux la laisser engager, comme ça elle prend plus rien. Alors, je vais venir me mettre derrière toi. Tu veux. Pour dans tous les cas, te libérer. D'accord? Comme ceci. Ça Je peux même consomme. mettre une deuxième Ça n'a pas flèche si tu veux. consommé de points. Non. Peut-être parce qu'on a rechargé la partie. Je peux, si tu veux, en mettre une seconde. Et consommer un point et le régénérer juste après. Mais oui, je comme tu le sens, enfin ça sert à quelque chose, oui, vas-y. Bah voilà, il rejouera pas. Et je vais venir me mettre ici. Ça, je ne gêne pas. Voilà, un tonne de saloperies de saleté. Je crois que ça tire hein, du côté de Zinlen, Allez, hein. deuxième flèche, ouais. Ouf. Et Dénal qui a ramassé une bonne patate des mifs. Très bien. Attendrissant sa viande. On a dit attendrir. Hop. Ça, je l'emmène. Hein? Je l'emmène. Je vois pas c'est quoi le problème. Je l'emmène le truc. Ah, on en a trouvé. Ah, j'en ai trouvé plusieurs là. Ouais. Ça ressemble vaguement à une colonie, ça. Allez, engage-moi tout seul. Oh. Hein? J'ai plus de torches. Plus de torches. Ça va, Denan? Je te sens couiner là. Tu fais Ouais. des bruits de cochon qui vont pas bien là. Oui, un peu. Chez moi, tout le monde a joué, je crois. Mais Mais t'as des. Taurus n'a pas assez de déplacement. Ah ouais, carrément. Taurus, c'est fatigant ce que tu fais, quoi. Taurus, Taurus, Taurus. Bah après, il a une torche, hein, Ouais, il peut aller il peut explorer un tenter des peu. choses. Il peut faire de l'éclairationnisme. Rixme, par exemple. Il pourrait tenter ce genre de choses. Ce qui est dommage, tu vois. Ou laisser les deux dans la merde, et genre vraiment backdash, parce que visiblement Bah. l'idée, je pense, ça va être de se regrouper sur le centre, voilà, parce que tout descend sur le centre, sur notre cochon. Ah. Par Voilà. contre, je sais pas si Zinlan va pouvoir faire des attaques d'opportunité.
Dans la Voilà. Loire? Dans le noir comme ça, ouais. Surprise. Est-ce que tu veux que je libère la cochonne et que je la soigne? Non, Ce juste tu la serait. soignes, tu la libères pas. Ok. Excusez-moi, ton tube, c'est mon téléphone. Et Taurus? Non, Edenal. Je vais libérer Edenal. Non, Taurus, tu peux se libérer tout seul. Ouais, mais Edenal, non. Denal, t'as pas besoin de le libérer non plus, tu fais quoi? Ah oui, parce que tu veux. Oui, si, vas-y, si tu veux faire ça, oui. Pourquoi pas? Oui, parce qu'on a besoin d'une torche ici aussi, on voit plus rien. Ah, t'as celle de Bard? Non, tu vois bien qu'on est dans le noir. Non, moi je vois qu'il y a une torche. Moi, j'ai plus de torche officielle. Ah, ok. Officiel, le jeu m'a privé de ma torche et j'ai plus de possibilité de mettre deux coups de torche. Parce que j'utilisais que des torches usagées. Alors, Il y a je vais Convure mettre qui un coup de n'utilise pas une. torche. Je vais mettre un coup de torche. Je m'explique pourquoi. Juste après la pause sonore. Les gens ne sont pas Voilà. convaincus. Ça veut juste dire que j'ai mon mouvement qui a été réinitialisé, c'est tout. Je peux aller en buter un autre. C'est surtout pour ça. YouTube te regarde, YouTube te juge. Ouais, YouTube m'a jugé, j'espère. Et franchement, YouTube là, ils sont en train de dire, Motep, ça va. Ah, je fais trois, je fais un round à 3 kills. Ça va. YouTube a dit acceptable. Will vient de se prendre un dégât dans la gueule. Donc ça veut dire que Zimlen ne peut pas tirer sur les choses qu'il ne voit pas. Donc, il va falloir qu'on déplace une tortue géniale. Ouais, tortue géniale, reviens. Ah, la salle surprise. Ah, Je vais c'est le. déplacer mon mur peut-être sur le centre. Ouais, vas-y. Parce que là il sert pas, il sert à rien, surtout qu'il éclaire rien du tout. Je vais le ramener à la place où était l'autre. On a pas tant de moves que Ouais. ça. Est-ce que je jouerai pas sur le rat de la cochonne? Je peux jouer mon mur puisque mon. Enfin House de Bard, excuse-moi, parce que il a plus de torches, donc il a plus d'utilité immédiate. Moi, je vois toujours avec une torche, mais vas-y. Oui, mais il a plus de torches. C'est trop chelou. Vas-y. Massage des côtes. Et tant qu'à faire, si t'as un point à dépenser, tu peux dépenser pour la cochonne. Je peux pas, j'ai plus de mouvement. Ah bon? Ok. Et je porte une armure lourde. Ça, un jour peut-être ça va rentrer. Hein. Peut-être un jour ça va rentrer. Je suis seul mec qui a moins 2 de move. Ça va quoi? C'est bon. Je vais taper celui-là, si tu me le permets. Oui, vas-y, je t'en prie. Hein. Mais d'abord, le soin sur la cochonne. Elle est bien. Elle est bien, t'as vu. Un point supplémentaire et je vais rester là pour continuer d'éclairer. Attends, j'ai combien de mouvements? Je vais m'avancer de 3 mètres et revenir. Ouais. 3 mètres 5. Y a rien. Je peux revenir. Parfait. Même me mettre un peu en avant pour prendre alors sa place. Reste plus grand monde à jouer, hein. Bon, il reste mes deux archers. Mais il n'y a plus d'ennemis. Donc je vais Visite. redéplacer un lieutenant, mon lieutenant. Pour régénérer un point. Et je vais ouais, je vais remettre un. Ok. J'en remets un pour en remettre un. C'est stressant ce genre de combat en vrai. Enfin, stressant. Je vais jouer Edenal. En venant me cacher derrière Sofia. Là. Un point supplémentaire, je pourrais remettre une zone de Zinlane. Je la mets où sur la cochonne ou je la laisse sur les deux gars? Sur les deux là. Ok.
Alors je vais juste la mettre un peu. Ouais, non, c'est pas dérangeant comme ça. Hop. Ah putain, je l'ai pas tué. Va falloir faire des critiques, Zimblen, un de ces quatre. Ou mourir. Et c'est Sophia qui le prend, ok. Ah, il est qu'à 26% de chance de coup critique. Hein. Je vais jouer un lieutenant, mon lieutenant. Quelque chose me dit que c'est les derniers. Hein. Parce que dans l'ordre de. Ouais, c'est les derniers. À moins qu'ils en repopent. Tu me laisses l'initiative avec Sophia? Vas-y, juste moi, je suis en train de passer mes tours justement, tellement je fais rien. J'entends passer le tour Tortus. Torturus. Ça a l'air d'être. Dire un Pokémon le mec. Ouais, non. Ok, je vais t'aller voir. Il en reste apparemment deux à jouer. Pas trouvé. On a un point à dépenser? Ouais, bah tu dépasses le point sur ma cochonne. Est-ce que tu m'autorises après de dépenser un point sur Edenal? Ah bah non. Non, il est au-dessus de la milieu de Samuel Life. Tu veux dépenser un Ah oui, point c'est bon. pour? Oh non, bah je vais le ramener vers vous, d'accord? Parce que Ok, j'aime pas si trop le tu veux. sentir là-bas. Je passe dans les ombres. Et puis bah. Faut que tu fasses passer le tour en perso, quoi. Ouais, tu finiras par Je vais me gagner, ouais. mettre là et on va tenter les relations, hein. Il y en a à dépenser, il y en a à dépenser. Non, il n'y en a pas à dépenser. Moi, ça me mettait qu'il y en avait un à dépenser. Je suis Non. désolé. C'est pour Sophia. Après, je crois que Ok. dans cette ruine, c'est le seul combat qu'on ait, donc bon, c'est pas non plus. C'est pas non plus le Ben. drama. Eh ben, ton dernier joueur. Je sais pas qui C'est pas c'est. moi, hein, le dernier, c'est Zinlen. C'est Zinlen? Ah Ah ouais. ouais. Eh ben. Oui, Je vais aller vas-y, très maximiser les bien. relations. Oh, je vais aller maximiser les relations là, mais ok. Ouais, comme tu veux, on s'en. Après, attends, est-ce que j'ai la pensée Maximise pour à moi? qui tu veux, tant que tu maximises. Et dernier à jouer, c'est le rampant ici. Ouais, bah tu l'as avec Sofia tranquillement sans cramer de points. C'est bon. Je crame pas de pont. On est galvanisé. Et Il y a encore du monde. ramène-toi au pack, hein. Mais ouais, par contre, pas en mythe de pack. Parce que c'est toi qui as la torche, donc en fait, ce qui serait bien, c'est que tes deux torchiches qui sont au centre, en fait, soient tous sauf en centre, mais sur les côtés. Genre à gauche et à droite du pack. Non, mais t'as pas besoin de les mettre loin, ils peuvent rester collés aux gens, mais pas au milieu. Sur les côtés. C'est tout ou rien avec toi. Hein. Voilà. Toujours. Genre là, tu vois, c'est très bien. Au moins, on voit quelque chose, quoi. Parce que là, tu vois, os de barde, il voit pas ce qu'il y a là. Si Vas-y. je veux y aller, je vois R. Donc, j'ai un d'autre. Bon, on va balader le chef, hein. Histoire d'un chef en balade, quoi. Par contre, elle soigne vraiment le premier qu'elle a devant elle. Hein. Bah, os de barde, tu passes ton tour. Rien à faire. Ah, os de barde et ma cochonne, hein, vraiment, ça se régale. Torturus, tu bouges pas. Tu bouges pas. Personne ne bouge. On s'en fout. Y a aucun intérêt. Je vais passer Edenal. Pourquoi tu fais passer Denal? Zinlan, il est nul. Enfin, c'est pas qu'il est nul, mais il doit attendre les autres et il reste un mec à jouer. Oh, il a fait un crit. Oh non, j'ai rien dit, il a fait un crit. Il a fait un critique. Il a enfin encoché sa flèche dans le bon sens. Regarde! On a un compagnon, il s'appelle Liam Will. Il est sympa. À recruter. C'est mon ami. C'est quoi ce truc? C'est os de barde, tu sais, Ah ouais? avec sa grosse masse, tout va pas très bien, donc. Attends, je vais au camp, je voudrais voir les stats du machin. C'est un rampant, donc de niveau 7, il est mignon.
Il est cannibale, il a le cannibalisme. Chaque fois que cette unité inflige des dégâts à la santé, elle se soigne du même montant. C'est fat. Sommeil lourd. Tu peux quand même lui mettre une armure, hein. Enfin, des vêtements, enfin voilà, tu peux quand même lui mettre des trucs, quoi. Des armures de base, hein. Allié de l'obscurité, tant que cette unité évolue dans l'obscurité, elle a brutalité, sinon elle a fragilité. C'est rigodrôle. Est-ce que tu veux pas lui apprendre le métier de barde? Non, grave bien. Ah, tu veux qu'il devienne bardiste? Oh, la meilleure blague. Il est barde, il a plus de constit. Officiel. Putain, c'est un métalleux qui a passé trop de temps. C'est un métalleux gothique, tu vois. Il a passé trop de temps dans la crypte, en fait. Oh, un black métalleux. Incroyable. Il a une volonté. Ah oui, par contre, il a une volonté à 20. Oh, tu peux l'emmener chez les pestiférés, il s'en bat la race. Bien. Mais il va faire une sieste avec madame. Il va lui expliquer des tas de choses sur le métal. Avec Chalou. Madame et monsieur. Chalou. Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous avez déjà parlé de la loi du métal. Très bien. Donc c'est très drôle. On a donc les deux carrés rouges ici. Ok. On a le super truc là, inspected. Voilà. Donc ça s'inspecte, c'est très joli. Une rune, merci. La rune. Et la rune de spectacle. Ok. Ah oui, je crois quoi, il y a les runes à ramasser là. Ouais. Sont des blocs là. Bah, là, on a dans le compendium, on a déjà des trucs. Hein. On a rue montagne et spectacle. Oui, alors, rue montagne, c'est en effectuant l'autre truc. Donc dans l'éboulis qui bloque le passage, une petite brèche pourrait permettre à vos compagnons de se faufiler. On peut briser ou se faufiler. Os de barde. Os de barde. Voilà, mineur avec un gros tap-tap. Est-ce que on l'envoie avec son pote le barde en plus? Alors, j'ai une arbalète cassée, personne n'aura la ref à part toi et moi, mais... De l'arbalète cassée? J'ai une baliste. Ah oui, t'as une baliste. Je blague, bien sûr. Hein. Toujours ce bon vieux, je blague, incroyable. Vous sentez un souffle chaud sur votre cou? Ah, ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, là, refile des torches, là. Ah, oui. Parce que je rappelle que j'ai un mec qui a plus de torches. Bah, il a un ami maintenant, mais il a plus de torches. Il a un ami, mec. Je suis tellement pas sûr, serein. Il reste combien? 3 sur 6 de sa torche. Ça, c'est chez 5. Toi. Non, je regarde vite fait ce que j'ai. Et 6 de torches, ouais, c'est ça, elles sont toutes neuves, là. Je t'en mets le pack. Donc ici nous avons des bocaux. Oh, j'ai des fragments de petits objets pour un barde. Ouais, vas-y. Dans mon bocal. Ensuite on a un type sous débris avec une clé grossière. J'ai un coffre à ouvrir, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est pour moi. Ça c'est l'autre coffre à ouvrir pour toi. Et sachant qu'il y a des trésors dedans, bien sûr le lieutenant regarde Zinlan et il fait: tu recules! T'as pas le grade! J'essaie de m'entraîner pas le grade pour à l'ouvrir sans codex chapitre. Vas-y, c'est pour moi. Même ça, même les débris, hein, c'était pour toi en fait. Je les ai ramassés, mais c'était pour toi. Ah oui. D'ailleurs, je vais te les mettre tout de suite dans le coffre, dans le coffre. Ouais. Hop là. N'hésite pas à t'excuser auprès de YouTube pour toute ta maladie indigeste et insupportable. Vas-y. T'as novice. Alors, tu te rappelles? Un ordre précis ou pas? Alors, si je dis pas de bêtises, ça c'est quelle couleur là? C'est violet. Ça c'est du bleu, ça. Ça c'est la bonne couleur. Ça c'est de la bonne couleur. Donc le dernier, tu dois savoir c'est quoi? Plus fort, c'est ça? Je sais pas. C'est à toi de le dire. On clique. Un cliquetis résonne. C'est un cliquetis qui résonne. Mmh. L'ambiance est pesante dans les couloirs. Vos compagnons se sentent observés. Une poterie se brise. Des créatures surgissent. Zinlen, éloigne-toi de ce puits. Pourquoi t'as fait tomber un seau? Je ne suis pas Pipin, bordel. T'as raison, Pipin, il est mieux. Au moins, il chante Pipin, bien. Il... Au moins, oui, il chante bien. Il est barde. Oh, attends. Attends. On n'a pas notre ghoul avec nous. Ah non, dommage. Oh, je crois que je vais le rappeler Pipin du coup, parce qu'il est barde. Oh, Pipin des tombes. On est un poil trop...
Dispersé? Dispersé, ouais. Moi j'aurais plutôt dit 9 percées. Parce qu'on est C'est vrai qu'on 9. n'est pas encore, on n'est pas encore 10. Pas encore 10, pas encore 10. Mais Mon mur il n'a nous plus faut un de dixième. torche? Mon mur n'a plus de torche? Comment ça mon mur il a plus de torche? Ouais, Ah mon putain, mur. ça vient de flinguer sa torche là? Ben non, officiellement il a une torche. Alors, le jeu il est pas d'accord. Ah, Alors moi quand est-ce que effectivement, tu il a comptes? pas de torche sur lui, il a pas de torche dans son inventaire, mais je peux mettre des coups de torche. J'adore. Bon pour vous, C'est bon pour moi. ça, voilà, le mode multijoueur, bon, il a des petites faiblesses techniques et tachetiques, techniques, mais voilà, on l'aime bien. Est-ce que tu veux que j'aille faire le dingue d'ailleurs avec ce capitaine inutile? Ben, tu pourrais donner 3 points? Je peux pas. Hein. 2 points? 2 points? Ah, voilà, ça n'éclaire plus. Je peux même pas. Eh ben, 2 points, c'est bien. Il y en a 3 qui vont jouer, on va se prendre des bastos sur la Torturus et mon gueule. mur sont. Leur relation s'est améliorée. C'est important qu'on en parle. On oublie trop souvent. Ah oui, mais par contre, Hey. le capitaine, c'est de l'abus, hein. Il est pote avec tout le monde. Hein. Bah, normal, c'est le Il est en capitaine. amitié avec 7 personnes. En Sur bonne 9. relation, en bonne relation. En bonne. Oui, non, mais Non, voilà, il est en bonne sur relation. 13. Je veux dire, il a des Sur relations positives sur 8 personnes, je veux dire. Avec 8 personnes, puisqu'il est le 9e. Donc, c'est-à-dire que Ouais. potentiellement, la seule personne qu'il n'aime pas dans le groupe. C'est une laine. J'ai pas dit, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Ouais, non, mais t'allais le dire. Je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Oh, waouh. Ouah, c'est le Stunfest! Regardez! C'est le Ah, Stunfest! la cochonne prend encore. T'aimes bien dire ça, hein? Salaud! T'aimes bien dire ça. je te laisse jouer. Je Ok. te joue, je te joue. Bonjour. Vous a-t-on parlé de Raptor Lâche? C'est la hache. C'est Je presque la voulais hache de Monsieur m'engager, hein, Inami. engagez-vous qu'il disait, mais bon, Tu peux écoute. pas l'engager quand il est déjà engagé. Mais non, enfin, je voulais le blesser juste un petit peu pour pouvoir attraper un rat, parce que Osdebard, il se sent très seul sans son rat. Il veut un petit rat mignon, là. En plus, ceux-là, ils sont mignons, ils ont même pas des globules sur eux. Ils sont mignons. Est-ce que tu veux bien Dis-moi tout. me laisser l'initiative? J'y vais avec Sophia. Ou il va faire des choses stupides. Vas-y, let's go. Toujours des choses stupides. Quoi? Et comment on l'enchaîne? Comment? Comment on ramène les métalleux à leur maison après? On Parce ne les qu'ils ont une ramène maison, hein. pas. C'est parce qu'ils écoutent du death metal qu'ils ont pas de maison. J'écoute du death metal, j'ai une maison. Non, t'écoutes Bob Lennon, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on n'a pas un lieutenant qui voudrait se rendre utile? Qui ça? Un lieutenant. Un lieutenant, mon lieutenant. Qui ça? Vous voulez dire le seul et unique lieutenant? Non, un des lieutenants. Il y en a un qui s'est déjà rendu utile. Moi, je propose que cette ville créature recule! Voilà. Insuffisant. Ah, j'ai pas assez de move! Oh. J'ai pas assez de move! C'est dégueulasse! Mais j'ai des vraies techniques. Oh Ah, c'est shit. dégueulasse, j'ai tellement pas de move! 14, hein, j'ai pas de move. Mais là, prend très cher. Je vais aller supporter Taurus. Il a l'air de prendre assez cher. Ou alors Mela. Mela va se libérer et puis se barrer très très vite. Un coup de torche, un petit critique, ça fait toujours du bien. On va éviter de claquer un point. Hop. Et elle va venir se mettre ici. Ouf, même un peu plus avance. Ramène-la contre un compagnon.
Ramène-la vers Osdebard ou quelqu'un qui a des premiers soins, par exemple. Les trois en bas ont des soins là. Bah ouais, donc. Sauf qu'il y en a un qui se déplace moins vite. Ouais, c'est une laine. Bon, il y en a un qui est vraiment inutile, certes. Et je vais parler dans les gens utiles. Parce que bon, tout le monde sait très bien que Zinlen, s'il peut te soigner ou poser sa zone, même s'il voit rien, il va poser sa zone. C'est Zinlen, on compte pas sur lui. Enfin, si la troupe comptait sur lui, on serait déjà tous morts depuis longtemps. C'est pour ça qu'il n'est pas capitaine. Tu es au-dessus de la moitié de tes points de vie. Félicitations, chasseuse de pestiférés. Chasseuse de pestiférés. Bah, je sais pas, mais quand je passe ma souris sur toi, le truc, le premier logo que tu me montres, c'est que t'es une chasseuse de pestif. Je mets un coup de Ouais. torche à Edenal, ok? C'est pour qu'il reste chaud un peu et qu'il puisse éclairer dans la nuit. Imagine, tu mets en. C'est con ça d'ailleurs. Tu sais, peux tu pas fais vraiment mettre. Osdebard, t'es très fort, mais qu'est-ce que t'es con? Voilà. Alors, à part mettre une visée et en tuer un qui est au clos, un des deux là qui est au close, de préférence celui qui ne peut pas bouger, j'ai pas grand-chose comme tour à proposer. De quoi? Sur qui? Avec Zinlen. Bah sinon tu Ah, soignes attends, non, juste il. Mela et t'arrêtes de faire chier tout le monde. Au pire, attends, j'ai ça Ah, comme ah tour voilà, là. sinon on peut faire jouer les vrais héros, donc Edenal, qui est donc un véritable héros, qui va repousser le rat engagé, comme un vrai héros, et qui va Et aller tuer là. le rat qui est devant Tortus, et pas celui qui est en zone. Bah non, évidemment. Évidemment. Félicitations. Et qui va donc passer son tour, améliorant ses conditions d'amitié avec tous ses amis. Je crois qu'il y a un gueux qui m'a touché, qui m'a one shot mon armure. Ouais. Ah bah tiens, Zinlen va bien pouvoir jouer ce coup-ci. C'est ça, tu vas mettre un petit coup de poing aux gens là? En vrai, si je fais une course, je suis désengagé. Hein. Une course, t'es désengagé. Bah, ça me désengage hein, de faire une course. Oui, Hein. mais pourquoi tu ferais ça? Sophia la joue ou pas? Il n'y a plus que Zinlen à jouer, monsieur. Ah, il y a que Zinlan. Ah, oui, vraiment, notre game repose sur Zinlan. Bon, bah, vas-y, Donc fuis. là, c'est soit un 3-4, Non, mais soit. vas-y, fuis. Fuis. Ouais, n'hésite pas à soigner une amie, quoi. Ben ouais, je vais le faire. Voilà. Critique! Oui, merci. Voilà. Puis n'hésite pas à poser une zone aussi sur une autre amie. Ça va bouffer un point. Ouais, tant pis, hein. C'est pour essayer de te rentabiliser, parce que là, sinon, c'est compliqué. Ok, début du tour. Début du tour. Je propose qu'un Montmure joue. Mon mur. Bah, c'est un râteau Mon qui tape en mur. premier. Hein. Ouais. Bon, après, qui tape, hein? Bon. Un petit coup de savate dans les houilles. Déjà, Parce ça que le là, détend un peu. les rats, ils ont brutalité. Hein. Là, tu le tues, hein, vite fait. Et tu me tapes ce connard, on est engagé, ça se passe très bien. Et t'as J'ai une encore ta riposte. riposte, parfait. Encore des gens qui arrivent. Qui mettent leur temps. Edenal. Non, peut-être pas, si, Edenal. Ah! Ou un gros. Un gros là sur celui-là, il a pas Un mal. gros là. Il a fait bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez voilà le massage des dents? Parce que si jamais vous me dites oui, je vous en offre une deuxième dose. Alors 68 sur un mec qui a un point de vie, c'est quand même dégueulasse. Je tiens à le préciser. Quand même, il est nécessaire de le souligner. Nous Quoi? voyons. Ah non, je suis deg. Quoi? Oh, je suis deg, je me suis trompé. Je devais faire un courroux au gars et garder mon action de base pour pouvoir capturer ce petit rat. Ouais. Bah, j'ai échoué. Façon, on n'a plus de cordes. Si, si on peut le propose, c'est qu'on ait une corde. Peut-être pas. Ah, merci Zinden d'être utile. Pas sûr, hein. On l'a entendu, on l'a pas vu, hein. Moi je dis ça, on fait ce qu'on veut de l'info. Il y a du sang là, hein. On a Le sang il est entendu, pas. on l'a pas vu, hein. Le sang il est pas arrivé tout seul. Totorus. Tac. À quoi que, attends, recule un peu.
Et voilà. C'est pas mal ça. Oh, c'est stylé, ouais. J'approuve. Bah, mais lui, t'as dernière attaque. Ouais. Bon, pour l'engagement, on repassera. Hein. Éclaire un peu, peut-être, ouais, en bas. Non, non, je me mets vraiment juste dans la zone de. Parce que je vais pas très bien en armure non plus. On va pas très très bien tous, en fait. Suzinen, il va très bien. Sophia aussi. Sophia Et va à hausse très de bien. barde, hein, le jour où il va pas bien, hein, c'est que toute l'escouade est morte. Mais ils l'ont pas focus en vrai, Osebard. On doit tendance à oublier, mais bon, c'est vrai que lui, il a deux moins de mouvement, on a tendance à oublier que c'est le mec le plus lent du groupe. Mais C'est même pas le mec le plus lent du groupe. non, oui, C'est parce qu'il est quand même même pas. plus rapide que les archers. Parce que j'ai augmenté Oui. son mouvement. Et d'ailleurs, il faut que j'augmente Torturus là, parce que c'est tellement une tortue qu'il avance plus, quoi. Ouais, je sais pas si je vais pas augmenter aussi les archers, mais en vrai, 10 de move, c'est bien pour un archer encore. C'est Faudrait 12, suffisant, ouais. oui. Après, si c'est insuffisant, non. Bah, je vais aller me mettre derrière Torturus et la coche et la petite cochonne. Non, je vais me mettre là. Idéalement, faut que ce soit avec le lancier. Que toi, t'as encore des trucs à jouer ou pas? Le lancier. Bon, t'arrives pas à te décider, voilà, ça c'est un lancier. Voilà. Zinen, arrête de faire du zèle. Bah, je vais aller te. Le capturer? Non. Capturer le ratou? J'ai pas de corde moi dans mon inventaire. Bah écoute, hein, juste pour les relations, on va se mettre là. Hein. Mais pourquoi tu joues maintenant et que tu. Parce qu'on a encore Mais deux parce que moches je qui vont vois jouer. rien. Les... Bah t'as plus que lui à jouer? J'ai plus que lui et Mela. Donc Mela, si elle peut faire deux kills, c'est plus rentable. Ouais bah. Y a pas de plus rentable. Tu sors. Puisque tu n'as pas de corde, bien sûr. Bah non, j'ai pas de corde. Oh! Et c'est la zone de Zinlane qui pète. Eh ben j'en mets une, hein. Mais mets des critiques, s'il te plaît. Bon bah vas-y, j'ai pété le tour de Taurus, hein. À toi de péter un tour. Ben, idéalement, c'est Edenal. Et pourquoi Edenal? Parce qu'il génère un point quand il est à côté. C'est pas grave. Sophia, est-ce qu'elle peut tuer quelqu'un qui l'engage au close? Et peut-être se replier un petit peu vers la base de Zidlen plutôt que de continuer à être à l'avant, de se faire massacrer. Tout en restant devant Zidlen normalement, mais bon. Je voulais éclairer un peu vers le haut, j'ai du mouvement. Il y a un rat là. Il y a un rat, on le voit. À droite là, ici. Il y a un rat. Ah mais si, mais il est mort. Pas très bien. Glorieux. Bon, je vais remplacer mon lieutenant, hein, terminé. Ces combats-là sont durs. Parce que tu vois rien. T'as même pas moyen d'éclairer la salle derrière. C'est ça. Le guillot, à toi de jouer.
La joueuse de barbe? Non. Ok. Ben, je vais aller éclairer un peu au sud, là. En faisant ça. En avançant encore un peu. Ouais, ben, on revient. Critique? Putain. Fais des crits, s'il te plaît. Bon, ça va, il touche pas. Tu veux que je joue? Je passe le capitaine. Ok. Je vais dépenser un point, s'il te plaît, pour Vas-y, vas-y. éviter que c'est le seul qu'on voit. Je le vire. Au moins comme ça, il aura été utile. Hop, je régénère un point. Moi, j'estime qu'il aurait été plus utile en faisant rien, mais bon. Ah Parce que bon? parce qu'en fait, Zinlen, là, il va falloir qu'il repose sa zone à un moment donné ou à un autre. Ouais. On est d'accord? Donc, en fait, j'aurais utilisé son attaque à lui. C'est vrai. J'aurais tué le rat et j'aurais reposé ma zone. Terminé. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vas-y, tu peux le faire. Moi, je vais garder les deux derniers tanks là qu'on peut encore jouer. Ça m'étonne qu'ils se prennent rien dans la figure. Ah, t'es Non mais parti là. explorer trop loin. Je t'avais dit de les ramener vers Zidled au lieu d'explo. Y a rien à voir. Bah non, en plus j'ai déjà passé le capitaine. J'ai déjà passé. Reste qui? Ah oui, il reste plus que Osdebard. Ok. Bon bah, on va avancer un poids loup avec Osdebard. Mais alors vraiment un poids loup. Hein. Allez, deux poids loups pour faire plaisir. Voilà, c'est bon. Allez, retour maison, ça casse les noix. Ils sont où, bordel? Bon, je sais pas, mais ils ont l'air de bien galérer leur mort. Ouais, Allez, la vas-y, sabre hein, joue ta joint. Mela et ramène-la contre Zinlen et qu'elle bouge plus jamais de là, quoi. Ta Sophie, elle a le soin? Oui, ils ont Bah tous le vas-y, hein, soin. elle peut l'utiliser. Mais je vais l'avancer un petit peu. Ah, juste pour voir. Bah, juste pour avoir la vision au moins sur là, quoi. Sur les bords. Ok. Parce que sinon, bah voilà. Je vais passer tous les tours des mecs qui, voilà, qui génèrent des points. Je remets même pas la zone du lieutenant. Oh, ils Ok, mettent c'est la crise, cher. bah va falloir aller filer des coups de main. Va falloir claquer du remède. Hein. Mais après, on en a d'avance, hein. Mais cochon, mais elle va soigner les gens qui sont bien. Mais fais des critiques, putain! Oh là 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 là, c'est la crise. Mourant, ouais, première fois qu'elle est mourante. Bah, c'est pour ça que je Ok. les avancerai pas. Oui, ok, tu vois pas dans toute ta zone, mais osef, hein. Moi, je m'en serais battu les couilles, hein. Que je remets la zone. Ah oui. Pas trop le choix, hein. Il y a encore des gens qui jouent, on va peut-être pas laisser mourir la petite, s'il y a une chance que tu fasses un crit. Ce serait bien que je fasse des crits, hein. Une médiocrité. Je suis spé crit en plus, hein. Ou pas assez de dext. En vrai, pas assez de Sur dext. ton archer, non? Ouais. Sur Zinlen? J'ai que 38 de dext, hein. Ouais, parce que t'as augmenté en fait son crit, c'est ça? J'augmente en priorité dextérité. Est-ce que tu as déjà augmenté son crit en fait? C'est ça la question. Un petit peu, ouais. Bah si oui, là c'était la mauvaise réponse, quoi. Fallait
fallait tout bourrer. C'est les voleurs, c'est un. Enfin, c'est un de tes voleurs que tu montes en crit en fait. Un seul. Bah, moi, c'est celui qui a la dague de l'ogre. Donc. Oui, ouais, lui je le monte en critique puisque je balance 75 attaques par seconde. Donc, oui, mais si t'es pas genre un Taurus avec. Par exemple, un Taurus, c'est très intéressant en crit. Ouais, ok. Bon. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'il est mou du genou, Taurus, c'est parce qu'en fait, j'ai pas assez monté son crit et que j'ai trop monté sa force. Parce qu'en fait, vu que c'est quelqu'un qui a pas mal de force, c'est quelqu'un qui a un bon dégât en crit. Mais qui a un très mauvais taux de critique de base. Donc en fait, il faut que tu bourres tout en crit. Okay. Ce que j'ai pas fait. Enfin, critique et volonté, puisque à travers la volonté, un Taurus en barre, c'est intéressant. Je vais pas utiliser notre dernier point. Mais si, vas-y. Gaspille tout. Bah, mais je vois pas l'utilité de gaspiller le dernier point. C'est ça. Okay. Là, je vais juste venir me mettre là, bloquer la cochonne. Pas dramatique non plus, mais... Un nouveau tour commence. Un tour. Fait par un gros. Bonjour, je suis gros. En fait, moi, on peut me taper dessus, ça passe. Oui, alors, c'est celui qui a encore de l'armure. Alors, mademoiselle, on a un bobo au doigt. Ben, voilà. Maintenant, t'as plus bobo à ce doigt là, puisque j'ai cassé l'autre. Allez. terminé. Oh. Toi, tu crois que je sais pas que t'écoutes du loli métal? J'ai un de tes amis qui m'en a parlé, hein. Loli métal, c'est quoi ça? Je sais pas, je veux pas le savoir. C'est répugnant. C'est abject. Voilà, il suffisait d'avoir la présence de tout cet acier brillant et chromé dans son champ de vision pour qu'il se mette à faire des critiques. C'était logique, c'était évidemment parfaitement logique. Et on va le faire suppléer par son capitaine. Parce que c'est toujours cool d'être à côté de son capitaine. Sauf quand on est lieutenant, bien sûr. Capitaine, mon capitaine. Ah, c'est les derniers. Les derniers sbires arrivent. Attends, quoi ? Ah, il lui fallait uniquement la présence d'officier pour sortir les doigts. On va dire oui, hein, parce que je pense que t'en as marre de bouffer, hein. Ouais, j'en ai marre de bouffer. Waouh. Alors voilà. Alors que t'as vu, hein, il a suffi qu'il y ait un gros type qui arrive avec sa grosse armure de métal pour réveiller tout le monde, tu t'es mis à faire des critiques. Il s'est dit, si je tire pas bien là, ça va se voir que j'essaye de laisser mourir les gens. On va me juger. Incroyable. Ah, c'est bien, on a de la mauvaise bouffe, trop bien. Il y a une tombe. Ce tombeau sera notre tombeau. Brisé, il faut un type solide. C'est clair. C'est peu cher. T'es solide, Snake. Hein. J'ai récupéré du grès. C'est du beau. Hein. C'est pour toi, tout ça. Ça, hein. Je récupère. Ça, je récupère. Félicitations. Les ruines ont été considérées comme étant explorées. Maintenant, il faut retourner à l'entrée et récupérer la... avec la clé crossière. Ah oui, il faudrait peut-être voir à se coucher. Mais j'attends Shinai. Ah, mince, on est en donge. Excusez-moi. Un petit dodo. Alors attends, avant ça. Quoi? Mais là, elle va venir ici. Sur son petit établi. Je vais y mettre le trésor ancien ici. Et voilà. Très bien. Bon allez, vu qu'on a un nouvel ami qui nous passe du Rammstein, ça c'est ses moments les plus doux, évidemment. Sinon, ça décapote un peu plus. On s'est fait une petite bouteille d'Edoran. Ah, c'est le cadeau. C'est le cadeau à la commu. Ouais. Voilà, regardez tous ses amis. Ah, ah. Sophie a quelque chose à dire. D'ailleurs, on n'a pas perdu notre ghoul. Non, elle est toujours là. Ok, je la voyais pas. Roule-toi par terre, Poufias. D'accord. Je savais que t'avais rien à faire comme lieutenant. Tu n'es qu'une femme après tout. Reposé par Châtaigne, hein. Châtaigne en a mis dans la gueule. Mais quoi? Mais Châtaigne est mignonne, c'est parce que t'as vu une Châtaigne avec sa mignonne petite tête. Du coup, t'as pleuré parce que t'es une femme, t'as vu un poney, t'as pleuré. C'est insupportable. Ah, par contre, il réclame tout. Par contre, arrêtez de ramener. Oui, c'est ça, arrêtez de demander du fric à ton bout de champ à n'importe quel moment. C'est infect.
Tiens, les fragments, ouais. D'ailleurs, tiens, je t'ai mis dans le coffre. Tout est... J'ai Non, tout. non, non, mais je te mets le grès. Ah, Parce que j'en ai rien à ouais. foutre du grès. Hein. Ok, merci. Pareil, je vais faire un petit tour vite fait au campement, parce qu'on n'est pas en surcharge folle. Encore, Ah ouais, pour oh l'instant. purée, oui, on a pris. Pour l'instant, on n'est pas en surcharge folle. Je continue à tout mettre au Cool. séchoir à viande. Voilà, tranquillement. Mais Ah bah oui, oui, avec toutes les... si jamais il y a besoin, on est en surcharge, on se fait un gueuleton à base de carcasse, ça va être pas mal. Et on peut sortir. Youpi. On va On peut juste parler revenir à avant. Amtos. Bah alors Amtos, il est où ton matos? Bon, on l'a pris. Voilà. Et il faudra juste revenir un de ces quatre pour gagner de l'XP pour le barde. Comment ça? Ah ouais? Ah oui, La parce qu'il chanson, faut on l'a venir après. chanter, danser la chanson française. C'est ça. Ok, j'ai posé un camp pour pouvoir rééquiper l'équipe. Moi, équipe A, Oh! équipe B, là. Tiens, je te mets des torches, parce que nous, on n'utilise pas trop. Quoique si, Merci. je vais utiliser les torches usagées, t'inquiète. Je vais mettre ça sur Totorus. Totorus? Ouais. Totorus, t'as encore une torche, 5 sur 6. Ça, 3 sur 6. Ouais, je te mets la 5 sur 6 en D'accord. réserve. Voilà. Toi, je te la Hop mets là. là. Et mets là. T'auras la petite torche à Et on 1. est bon. Hop. Léum Will. Oh là là. Ok. Pour On pas peut les le utiliser. renommer? Je jure, c'est flippant d'avoir sorti ce truc-là. Et Denal, il a peur quand il dort. Bon, j'ai raccourci, hein. Mais Une voilà. barre de du métal. Voilà. Je fais ce que j'ai Dans pu. cette repos, j'ai un nouvel objet. On a un objet. Parfait. Dans six repos, pardon. Donc, peut-être des allers-retours, peut-être des. Non, on va pas saouler ton tube avec des allers-retours, voyons. C'est pas notre genre. On n'a pas genre là, il y a des méchants là, des méchants. Allez hop. Des truands. Je sais pas, des méchants. On leur ramène une goule, ils savent pas ce que c'est. Imagine la gueule des prisonniers quand on va la ramener. Ça va être drôle, hein. Moi, surtout, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, il y a possibilité de la recruter. Techniquement. Bah, avec mon pote la Oh, goule, là. ça me Quand fait est-ce que trop t'as rire, ton petit pote putain. le pestiféré? En fait, je savais pas que je jouais à Fallout, quoi. Après, tu vas recruter une mamora. Alors, j'ai pas pu, mais tu peux recruter un ratou. Je l'ai déjà fait. Ah, tout. Ouais, poète. À mon beau mur. À mon beau mur, 2 points? C'est un peu dégueulasse. C'est quoi ça? Ah, c'est du maraudeur en plus, c'est méchant ça le maraudeur. Hein. Ouais, c'est un peu méchant. J'ai mémoire que c'est pas Ça très gentil. Hein. tabasse. Toujours commencer par viser les couilles. Une fois que c'est fait, vous visez la bouche. C'était un mutant. Sa bouche était beaucoup plus basse. T'es un Pas super bougé. mutant là. Braconnier. Pas Je m'en bougé. fous, j'ai toujours pas bougé. Le maraudeur du fond, il joue et c'est tout. Est-ce Un que petit lui Zimen qui l'atteint? vient. Oh. Ah bah d'accord, ok. Os de Bard qui a décidé d'y aller à contre 1, 2, 3, 4, 6. Ça se passe bien. Ça se passe pas trop mal. Où est Sophia? Ah, j'avais pas vu où était Sophia. Bonjour. Ah, merde. Voilà. Et là, maintenant, tu vois, j'ai un peu ouvert la discussion à tous les projets. Elle est où, Sophie, Alors, hein? est-ce que tu me laisseras la jouer? Pourquoi? Pas l'intérêt. Ah bah pour aller ponker le braconnier qui va jouer. Tu vas vraiment pouvoir faire ça alors que tu vois pas du tout? Ouais, carrément avec Ah ouais, Sophia, tu oui. peux faire ça? Bah vas-y, je te Ouais, regarde. regarde. Vas-y, impressionne-moi, impressionne-moi. C'était pas impressionnant. Ah merde. C'est le moment où tu fais une course ridicule? Avant de Ouais. t'apercevoir que tu peux pas parce qu'il y a l'élément de décor qui Merde. te gêne? Je peux pas, mon dieu. Voilà. Ah, j'emmerde le jeu. Détruis-le! Mets-y le feu!
C'est le feu! Ah ouais, non, ça fait mal, ça. C'est pas du feu, ça fait mal. Alors, Non, non, il y a un autre truand là qui joue, là. Ouais, lui, là. D'accord. Lui, il faut pas qu'il joue non plus. Attends. Il est méchant. Il est pas gentil. Ok. Ouais. Bah, Sophia va prendre cher si elle reste là. C'est juste ça le problème. Comment ça? T'as couru ou pas encore? J'ai pas encore fait ma course, non. Mais t'as utilisé tout, torche, tout le bordel là. Ouais. Ok. Et ben. Ouais, ben non. Go. Allez, elle prendra. Hein. Il lui manque un peu de dégâts encore après. J'aurais eu la dague de l'ogre. Ça aurait été sympa. Est-ce De que tu veux ouf. envoyer Non, mais c'est pour ça, je pense un... que va vraiment falloir qu'on purge les missions pour purger, pour avoir Bah de. déjà, il faudrait aller débloquer les contrats hebdomadaires. C'est-à-dire. Bah On il va se faut faire ça. aller dans... De quoi? On va se faire ça de toute façon. Il faut Taurus, on a dit aller... d'engager les gens. Il faut aller faire la première mission de... Putain, c'est encore pour la gueule de Sophia. Aïe. Il faut aller faire la première mission de la voix. Des voix. Il faut faire les missions des voix. Il faut La débloquer des nouveaux voix. trucs. La voix. Est-ce que t'as un tank qui peut jouer? T'as... Ouais, bah vas-y. Hein. Tu peux lui faire mal à lui. Hein. Monsieur, Tu tu recules. recules! Et tu avances plus! T'es engagé, toi? Ah non, il est pas Non. engagé. C'est marrant, ça. Vous êtes pas engagé, monsieur. Engagez-vous. Qui le Bah, disait? mets-lui une zone pour pas qu'il avance et qu'il tape. Ouais, mais je suis en train de réfléchir à comment je la mets. Ouais, bon, allez, bien sûr, toi. Allez. Parce que j'essayais de prendre le voleur avec, mais la zone est vraiment pas large. En fait, c'est vraiment le problème que j'ai avec ces zones-là. Elles sont pas larges et elles sont pas longues. Enfin, quand tu vois le coup de torche, tu dis, je préférais presque une zone comme le coup de torche, quoi. Ouais. Parce que là, c'est vraiment mou mou du genou, quoi. Alors, est-ce que t'as quelqu'un qui peut me tuer ce bâtard? Ce gros bâtard. Non, Même pas aucun. Edenal? Parce qu'Edenal, il est puissant quand même. Ah, et Denal, si, C'est quand même ouais. l'archer le plus puissant du game. Ouais. Une flèche. C'est pas mal, hein. Oh, c'est. Là, tu vois, c'est tellement triste que j'ai pas ma zone à 2. Je suis d'accord. Parce que Et là. deux flèches. Là, il aurait pris un tu recules comme Jaja. Hein. Merci pour Voilà. le critique. Et T'as bah, combien tu de chances de vois. coup critique, toi? Tu vois, Edenal, c'est Edenal. le meilleur. Attends, faut juste que je vérifie. Edenal, c'est le C'est... meilleur. T'insistes sur Zinen, il est nul, il est claqué. YouTube, ils me l'ont dit. YouTube, n'hésitez pas à voter. Hein. Vous dites, ouais, moi j'aime Edenal. PTDR, lol, j'aime pas du tout Zinlane. J'ai presque envie de dire, votez pour votre personnage préféré, bien sûr. Quand on aura développé peut-être la méta des persos. Et je pense que Osdebard va gagner la palme au la main ou le lieutenant. Qu'en termes de personnalité, tout est là, quoi. Il y en a un qui est brillant et chromé, et puis après il y a les autres, quoi. Tu fais. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de voir si je peux pas mettre une zone de torche dans la gueule du braconnier et du truand. T'auras pas le braconnier, je pense pas. Enfin, t'auras pas le truand. En vrai, non, je vais pas le faire parce que sinon ça mettrait le feu à Osdebard. Bah, ça dépend qui joue là, quand. C'est un truc dans les nuages. Non, mais c'est pas grave, vas-y, tape, tape, fous un coup de torche, non, vas-y, régale-toi. Oh, mets-moi des dégâts là-dedans, entame les trucs, quoi. Ah, très très joli. Non, puis bon, ouais, c'est pas comme si. Déjà, Osdebard, je rappelle que c'est le seul qui a de la régène de PV. Premièrement. Donc Dommage. bon. Perdre 7 PV, ou je sais même plus combien il en perd. 5 ou 7 PV, parce qu'il perd 10% de PV, c'est ça? Ouais, le faux Ouais, faut 6. jouer avec Osdebard, je crois que c'est ça. Le gars en perd 7 par 7, je crois. Attends 2 secondes, je prends le checkpoint. Ah, maintenant il doit en perdre 8. Excuse-moi, parce que c'est vrai qu'il est niveau 7. Il perd 8 points de vie et il en récupère 1 par tour. Donc il perd 7 points de vie. Voilà. Il va falloir quelques tours pour le tuer, hein. Avec des petites flamèches. Pourquoi t'as joué?
Parce qu'il restait plus que lui à jouer? Quoi? C'est la fin du tour? Et donc Zinlen ne sert à rien? Zinlen a fait un kill. Mais... Non, 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 Zinlen il allait voler les kills des autres, d'accord? C'est un joueur de League of Legends, ça compte pas. Déjà? Ok. Bon. J'espère que t'as honte. Ouais, je peux jouer ou pas? Non, ah. Le lieutenant, le vrai. Bah, t'es pas lieutenant, toi. Toi, t'es une femme. Oh, putain. Eh, t'es en train de toucher un salaud de pauvre? Eh, t'es en train de le toucher, là. Os de barde, ça compte pas. Ah, non, lui, là? Ah, oui, oui, non, mais lui, ça va être géré dans un instant, excusez-moi. Ouais. Tu recules, gros dégueulasse. Toi aussi, tu recules. Tu touches pas au faume du capitaine. Oui, je vais me monter en grade. Tu touches pas au REM du capitaine. Le mec a vraiment une vision du monde. Je ne jouerai pas ce monsieur, parce que j'aimerais bien qu'un jour, peut-être, quelqu'un pense à soigner Os de Barne, qui souffre terriblement. Ah, ouais, attends. Bon, si tu veux, je vais le soigner. Allez. Non, mais ça dépend si tu veux soigner l'assassin d'abord. Mais ce que je disais juste, c'est que pour l'instant, je le bougeais pas. Alors, je pourrais les casser le cul à tout le monde, mais... C'était pas dans mes intentions. Parce que j'ai l'intention d'être réparé avant de me déplacer. Parce que je souffre. Parce que ce Debard, finalement, si tu vois, c'est le gars, il est matinal, mais j'ai mal. ils sont les deux c'est dans bon. Je tire d'ici. Ils me font pitié. Je prends l'argent, je prends le couteau, t'en as pas besoin, c'est de la merde. Je vais même pas regarder c'est quoi le couteau. 9. 9 de Dex, tu peux prendre. T'as oublié tes plantouilles, réparer des gens, voilà. Et mon mur, le capitaine monte en niveau. S'il vous plaît. Pourquoi pause? Pourquoi pas? Ouais. Moi j'ai deux niveaux à monter. Notre... Quoi? Mm-hmm. Oh les gens ils sont trop puissants. Non, plan de carrière de la force en fait. Voilà. C'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui fait dans la force, c'est au prochain niveau. Pour commencer à discuter avec les gens, le dernier carré. Hein. Donc cette unité n'a pas d'armure, la brutalité. C'est un peu sexuel hein, quand même. Hein. Mais bon. Ça va être ça, hein. Ça va être entraînement à la dure. Hein. ça va être ça, ouais. Ça va être encore entraînement à la dure. Entraînement dans la à la dure quand t'es dans les marais. Tu te régales. Hein. Zone de poison, Osef. C'est génial. CG. Eh. Oh. Par ici, là. Ah, pardon, mauvais. Non, mais par ici, là. Est-ce que, par hasard, il y aurait pas de piton? Vas-y, tu sais quoi, j'en mets un. Ça me fait plaisir. Pourquoi tu veux mettre un piton, là? Bah, alors déjà, pourquoi pas? Parce que là, t'es là en train de me dire, oui, pourquoi tu veux en mettre un? Mais pourquoi j'en mettrais pas un, tu vois? Hop, je le mets là. Très joli. Il est du plus bel effet, non? Non, mais c'est pas pourtant qu'il faut le prendre. Mais je l'ai mis, il est joli. Non? J'aimerais beaucoup qu'on accède à la zone secrète, parce que ça donne une arme légendaire. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup. Un jour. Sache-le. Mais on peut aller voir nos amis, les forces de l'ordre, courir un peu. Ah oui, alors pour ton plaisir, YouTube, on a débloqué la course dans ce remake, évidemment. Et la collision, hein. J'aime bien, moi j'ai deux mecs à la torche, un devant, un derrière. Et maintenant, c'est Sophia qui lead. On va être lourd. On va être très lourd. Non, ça va. 12 minerais, ça va. 12, c'est tout? 12, c'est tout. Hein. On en a transformé beaucoup. Bah, il y avait qu'un seul minerai qui avait repop. Hein. Regarde, hein, je prends l'info. Hein. Bon, l'info, je prends la dire qu'il faut qu'on faudrait qu'on récupère un. Faudrait qu'on récupère quoi comme classe là? Bah, soit un deuxième lancier, si par exemple on veut. Ouais. J'allais dire. En fait, vraiment, ouais, objectivement, je pense que le mieux c'est soit un deuxième lancier, soit un deuxième type qui fait un peu couteau suisse, comme tu vois, Taurus ou. Alors, le capitaine, tu vois. Il y a un truc intéressant qui pourrait être faisable. Un deuxième Taurus, mais cette fois en armure lourde. Ils ont une perk qui donne riposte à toutes les cibles engagées. D'accord?
C'est la première, et améliorée. Elle donne inspiration à toutes les cibles non à tous les alliés non engagés. Alors, sauf que l'idée c'était d'avoir quelqu'un de versatile Ouais, ok. avant tout, donc d'avoir quelqu'un d'un peu polyvalent. C'est pour ça que je te disais, ou comme le capitaine. Par contre, on n'a plus une thune hein, pour payer nos gars. Hein. Sache que on est fauché. Ouais. Hein. Donc, On va n'a pas falloir d'étudiants. voler ce délicieux sel dont nous avons tant besoin. Ça fait longtemps que t'as pas volé. Et grâce à moi, tu montes tes percs de voleur. Hein. C'est vrai. T'es là. Regarde, je suis quand même sympa. Je lui achète une pomme. Parce que Jacques nous a dit. Faut acheter des pommes. Lui aussi, il a du sel. Je sais pas si t'as vu. T'es sérieux là? Bah, il nous faut du sel. En fait, là, j'ai de la bouffe, je peux pas cuisiner. Voilà. Et comme tu le sais, on est critique d'un point de vue alimentaire. C'est un peu comme notre bonheur, quoi. Pourquoi je peux pas faire du loup grillé? Ah oui, parce que je l'ai pas sur moi. Voilà. Ah. De l'XP, merci. On a du brouet. Et Ouais. on a des saucisses de loup. Ok. Donc le brouet. Ah, c'est juste un plat normal. Ok, il prend deux places, mais ok, bon, c'est un plat normal qui rapporte 6 de bouffe. Mais bon, on est remonté en journée de nourriture. Ce côté positif. On est descendu à 10. On était On à n'a pas des choses à vendre au passage à cet hérétique. Si, des gants pourris, des cailloux qui brillent. Prends ça, mec. Par contre, je prends ça. Vas-y, prends tous les trucs nuls. On a une chaîne à machin, blabla. Toujours une clé ouvragée. J'ai rien d'autre, je sais pas si t'as des Garde-la. trucs à lui vendre. J'ai du gris. Bah vas-y, hein. On peut lui vendre un peu de Parce que gris si t'en as trop, hein. ça prend de la place. Je vais tout Surtout, ça vendre, pèse une moi. tonne le gris, hein. C'est horrible à quel point ça pèse J'ai lourd. tout vendu. Il me À reste savoir que 15 points. pareil, pour pouvoir faire fonctionner notre effort de guerre, il est tout à fait possible que je vende également des... Qu'est-ce que je l'avais sous le nez? Parce qu'on a notre larbin de guerre, faut qu'on le garde. Oui, je peux aller à la forge sortir une armure lourde ou deux s'il faut, pour pouvoir vendre une armure lourde ou deux. Ce qui me fera entraîner le métier, puisqu'on a 34 de métal sur nous, et ça nous Vas-y. allégera. Qu'est-ce qu'on en Vas-y. pense? C'est intéressant. Ouais. Vas-y, c'est intéressant. Allez. Pareil, on peut peut-être lui vendre un remède ou deux. Moi, Après, j'en ai on a plus de des deux à torches partir aussi. de là. On a beaucoup de torches. On a beaucoup de torches. Ça coûte, bah, ça nous coûte 10 de place, les 10 torches, quoi. C'est 1 kg l'unité la torche? Ouais, c'est 1 kilo la Merde. torche. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. On va reforger une armure, let's go. Fais de la merde. Je fais de la merde, mais au moins je le fais, ça vide. On peut en faire plein des comme ça. Vas-y, j'en fais plein. Ah, mais ça donne son petit poids d'XP, hein. Ça rigole pas, hein. S'il savait tout ce que j'étais en train de forger, il pèterait un plomb. Non. Tu sais, je suis à combien d'armure là? 4. Oh, il suit, hein. Tu sais combien j'ai prévu d'en forger? Je sais pas, avec la dose de cuir et de tissu qu'on a, je pense que tu vas en forger encore 2 ou 3. Ah, il est Max. bon, il est bon, il suit bien YouTube, hein. Bon, Bah, apparemment, je suis le bien cuir fait. est le seul stock que j'ai déjà vu.
C'est le cuir et le tissu. Donc après, le fer, je sais pas jamais à quel niveau on en est. On a pu sortir une armure ou deux, je crois, en plaque, quand même. Hein. On était à 34 de fer. Hein. Ouais, donc deux, ouais. Ça fait de l'XP surtout, hein. C'est pas sale, Ouais. hein. Parce que même là, en faisant des armures de base, hein, je les fais mal en plus, hein, je les fais même pas bien. Je fais 7 Oui, XP par 7 XP en plus. c'est. Ok, pas mal, ouais. 13 XP quand j'en fais une parfaite, hein. Ah, oui, Comme donc quoi, ça vaut quand le t'en fais coup une de. parfaite, tu doubles ton XP, hein. Ah, ouais, donc ça vaut le coup de faire une Oui, parfaite. ça vaut le coup d'être concentré quand tu fais tes trucs. J'avoue. Bah vas-y, moi je vais balancer mes armures, j'en ai rien à péter. Virez-moi tout ça. Voilà. Niveau On a le matériaux. budget pour financer notre équipe. Vrai ou vrai? Est-ce qu'il serait intelligent d'acheter le saphir en solde qu'il avait et de le revendre à quelqu'un d'autre pour se faire une petite marge? T'es sérieux? Je sais pas, il était à combien le saphir? À 8 de moins, un truc du genre. À moins 8? À 8 de moins que le prix de base Il récent. était à 30, il a 32 achetés. Ouais. Et tu le vends à combien, tu sais? Non, je sais pas à combien je le vends. Mais je pense que ça vaut pas le coup. Je pense que c'est de la baise. Vas-y, fais une sauvegarde, on peut voir. Vas-y. C'est quoi? Sauvegarde. Continuer. Je lui prends. On Et je le ne lui revends à vend. 20. Ah ouais, ça vaut pas le coup. En fait, c'est ça, Oui, c'est mais pas. tu lui revends à la moitié du prix de vente, la moitié du prix auquel D'accord. lui te le vend. Eh ben, on recharge la Donc, partie, on. c'est même pas intéressant sur des objets genre qui valent 2 balles et qui sont en solde, ça a même pas d'intérêt non plus. Eh ben, ouais. Oui, parce qu'on fait des petits tests sur YouTube, on voit, on teste des choses, c'est très drôle. Par contre, ça veut dire qu'on peut aller récupérer la dernière marchandise qui nous manquait. Oui? Et jeter les cadavres qu'on a en trop. Enfin, les carcasses. On n'a pas de carcasse en trop pour l'instant. Parce que la marchandise a pesé 5, donc ça va rentrer. Ah, ok. Mais oui, il est clair que au premier repas. Non, bah non, excusez-moi, monsieur, on n'a plus besoin de vous. Au premier repas, ça risque de devenir intéressant de s'en débarrasser. T'es toujours sur ton coffre de blanchisserie ou pas? Non, j'y suis plus depuis un petit Ok. moment. Non, non, c'est pas grave, c'est juste pour savoir si je redéposais le sel dedans ou pas. Bah non, tu le consommes en général. Oui, mais là, Tu vu que je consommes l'ai à ta pas vie. consommé. Eh non, mais on a toutes ces marchandises, hein. On l'a troussé, le gars. Hein. Ah, on l'a troussé, d'accord. Donc là, tout droit jusqu'à Cortia. Et on a de quoi payer nos gars. C'est du génie. Ok. Tu veux pas essayer d'aller poser le mec à la prison? Bah, en vrai, on a besoin de lui pour porter si on veut pas être ralenti. On est à C'est vrai. 3,97 sur 403. Hein. Donc, vu qu'on a rempli de quoi nous nourrir, pâte à couffin. Je pense qu'on peut se permettre ce luxe de naviguer avec notre ami le barde du métal, bien sûr. Moi, de toute façon, en fait, j'aurais bien gardé une armure, j'aurais bien fait un pote de ce type-là, finalement. Ah. Sur les routes, t'es sûr? Oui, 20%, 20%. la base. 20% se friter contre la garde? Bah oui, Ok. tranquille même. On m'a dit tranquille. On peut manger un peu de rat, Tranquille. sinon on peut Ouais. économiser notre rat. Tu peux économiser 2 draps et mettre une pomme. Non, mais c'est même pas ça, c'est genre juste économiser notre rat, parce qu'avec notre rat, je crois qu'on peut en faire pareil, on peut en faire des fourrures ou des trucs de viande, là. Je crois pas Donc. sur les cadavres. À toi de voir, mais je crois pas. Ah, tu sais quoi, on va vérifier ça tout de suite. Ouais. Alors oui, par contre, faut que je les retire de. Faut que je les retire de la. Non, c'est pas ça que je veux. C'est le On a faux camp. 60 kilos de carcasse. Mais retire Ah tout. ouais. Oui, Non? on trimballe beaucoup de masse de carcasse. Si, si, ça se passe aussi dedans. Tu peux. Et combien ça en bouffe? Tu sais? Je crois que c'est 4. Même pas, c'est 2 et ça te fait 4 de viande. C'est très rentable. Ah, le rat, ouais, c'est rentable. Mais moi, je Un passe la kilo? grosse carcasse parce que c'est très lourd d'abord en premier. Donc, Ouais. tu vois, la Ah oui, bah. carcasse, tu dois en passer, lui, je crois, 3 ou 4 pour en avoir 3. Enfin. Non, non, Deux. mais oh, le campement. Pardon. Oh, Pardon, pardon, calme-toi tout de pardon. Pardon, suite. pardon. YouTube ne t'excusera jamais, ils ont dit. Pardon. Ou je crois qu'ils m'ont répondu quelque chose comme je m'en bats les couilles, frère, fous-moi la paix. On me bat les couilles, frère. Tac et tac. Même pas. Allez, tant qu'on a notre ami du métal.
On va quand même s'offrir des petits plaisirs de la vie. Voilà, on sauce les salaires. Par contre, on est passé à 30 dangers, à 30% de danger, on a des cochons qui sont plus proches. Mais bon, tant pis. Fallait pas lever le camp. Si on se fait agresser, c'est ta faute, Shinai. Ok, C'est pas fait c'était ma agresser, faute dans ce Shinai. cas-là. Tant C'était ma pis, on faute. n'aura pas de cochons. Tant pis. On vous fera pas le sel. Tac, tac, Ah, tac, attends. tac. Non, on s'en fout. Toi, Oh oui, si, moi, vole-lui non. son sel. Ah, je m'en disais aussi. Nice. Let's go. Excellent. Bizarre, hein, mais tu t'en fous plus d'un coup. Ah bah, c'est surtout que quand t'as plus de sel, c'est vraiment t'as plus rien, quoi, en fait. C'est vraiment terrible. La corde, s'il vous plaît. La corde où je me pends? Oh, ça me l'a coupé, hein. Voilà, donc après, nous, on a fait le plein de quéquettes. On va pouvoir se régaler. Mais Sûr. il va falloir qu'on aille justement là où il y avait les quêtes. Sinon, là, c'est quoi? Globalement, c'est le dernier aller-retour. On va acheter peut-être quoi? 2, 2, 3. Attends, quoi que, on a quoi? On a deux fournées de marchandises sur nous là? Quasi, ouais. Ouais, parce qu'à chaque fois, en vrai, ça a l'air de rien, mais on est reparti à chaque fois avec deux fournées de marchandises. Hein. On n'a pas déconné. Hein. Alors garde peut-être ta course, il y a des gardes devant. Ça va. C'est des amis. Je connais leur chef. Il est lieutenant. Il est sergent. Quoi? C'est même pas un Je lieutenant. pourrais pas être ravi à quelqu'un qui est subordonné. Mais un lieutenant est subordonné de quelqu'un? Non. Non. En fait. Alors si. Et un général? Alors, en général, tu vois, c'est un peu flou. Général, en général. Et Le amiral? grade est un peu flou. Amiral, c'est un mec qui commande des bateaux. Est-ce que je suis un bateau? Ah non, donc on ne me commande pas, finalement. La logique à deux ronds. Logique à deux ronds, mais qui dans sa logique se tient. C'est ça le Oh. pire. Attends, mais t'as tout vendu là? Toujours, comment ça, j'ai toujours du lard? Comment ça? De quoi tu parles? Non, tu as tout vendu? Oui? Ok. On a vendu les fourrures à Quartia, on a vendu 8 draps à 65 balles, on a vendu 8 ambres à 65 balles et on a vendu des poteries à 97. En fait, tu marches pas beaucoup parce qu'elles sont moins chères. En fait, ici, le problème, c'est que toi, t'achètes, bah, par exemple, j'achète des gemmes qui sont à 90. Ça annule quasiment la vente de tes poteries. D'accord. En fait, c'est quand tu reviens de Cortia que tu fais du fric. Mais D'accord. même là, en vrai, Là. 940 après avoir payé nos bonhommes, c'est pas trop mal, hein, parce qu'on a des Ouais. marchands. En fait, t'as vraiment les marchandises les plus claquées hein, quand tu les vends ici. Alors, je t'invite à aller dans le camp. Ouvre ta map, s'il te plaît. Oui. Dirige-toi vers là où on a toutes les petites quêtes et la quête du poste frontière. Ouais. Je t'invite à ce qu'on nettoie les trois quêtes qu'on a ici, sans faire la quête de la voie du chaos. Parce que la quête de la voie du chaos, c'est recruter une voleuse et péter quatre trucs de garde. Chiant. Chiant n'est-il pas. On fait les trois petites quêtes, on monte en direction de la quête avec rendez-vous à la taverne de Marheim pour rencontrer la fraternité. On prend la quête de la fraternité, on récupère les trucs, les marchandises qu'il y a là-haut, en passant par Storm Cap, hein, évidemment. OK. Et ensuite, on nous redemande de revenir à Storm Cap. Donc on fait attention s'il n'y a pas une quête à la con, genre vendre des gemmes ou de la poterie ou de l'argent à Storm Cap ou à Cortia. Comme ça, on fait du bien deux coups. Et on fait l'aller-retour, on nettoie le campement de bandits qu'il va y avoir à côté de Storm Cap avec la fraternité, et on débloque les contrats hebdomadaires. T'en dis quoi? Je dis que c'est pas mal, mais dans ton plan, je serais d'abord passé péter le boss tout en bas, parce qu'on l'enquête aussi. C'est vrai. Mathias Lund. C'est vrai. Je serais allé le Attends-moi juste deux péter et je secondes. serais remonté, parce qu'en vrai, les mines coupées par la forêt, tu y vas vite. Et ouais, se Ouais. taper le bloc d'un coup. La Ok. question, c'est est-ce qu'on y va avec nos marchandises actuelles? C'est-à-dire que justement, on ne vend pas à Storm Cap, on les On récupère garde, ce qu'il y a parce à qu'elles auront plus de Strandcap. valeur à Marheim. Ouais, alors on récupère ce qu'il y a à Strandcap aussi, alors, au passage. Juste, laisse-moi deux secondes.
S'il te plaît. Je t'entends encore. Hein. Oui, c'est juste que j'étais en train de me dire, attends, je crois, parce que je crois qu'à Marheim, il y a des trucs qu'ils rachètent pas, genre je crois qu'à Marheim, ils ont déjà des draps. Je crois que ça vaut rien. Ou c'est des épices qu'ils ont déjà, je sais plus, il y a un truc qu'ils ont déjà. Non, épices, ça vient d'ici. Ça c'est quoi? C'est fourrure. Je me demande si c'est pas les draps qu'ils ont déjà là-bas. Je sais même plus. Faudrait faire un petit tour sur un compendium. C'est pas grave, on va vite fait lever le camp. Bon, on a un peu de budget, on pourra acheter 3-4 conneries. Mais moi, ce que je vais aller voir pendant qu'il n'est pas là, c'est si on a un lancier. Figurez-vous. Je suis là, je te Petit signale. lancier de taverne, il n'est pas là, il n'est pas là. C'est vous, YouTube, vous entendez des voix, calmez-vous. Voilà. Vite. Trouve-moi là-dedans, lancier. J'en ai un. C'est bon? Let's go. C'est lui là? Il est bien? Bonjour, bonjour Roger. Il a rien de négatif. Genre, Attends, t'es j'ai pris. Jean-Michel, je viens de naître quoi. Jean-Michel, je viens de J'ai. naître. Attends, j'ai pas fait gaffe s'il avait. Fais inspecter, s'il te plaît, pour voir. Oui, j'ai regardé dessus, oui. Et au niveau de ses stats, c'est quoi? Est-ce qu'il a beaucoup de force? Il Est-ce a qu'il a des trucs? 12 de force, 20 de constite, Ouais. 6 de volonté. Ah! Mais il est achat, le mec. 4% de crit. Commence pas avec beaucoup de volonté, c'est dommage. C'est même très peu. Est-ce que tu veux qu'on fasse un tour par par l'autre? Par Après, s'il Strandcap. devient barde, il va gagner de la volonté, je crois. Enfin, de la constite et de la volonté, je crois. Je sais même plus ce que ça donne, barde. Je sais pas, j'ai jamais monté barbe. Mais je crois que Sur c'est Pit. constite et volonté. C'est constitution. Constitution, il est fort en constitution. En gros, ça nous fait un lancier un peu tank. Bah vas-y, ça peut être Ce qui est pas sympa. déconnant, hein. Ce qui est pas Vas-y. déconnant, vas-y. Recrutons ce connard, au moins on a notre groupe, on a notre crew. Mais le barde. Ah, par contre, tu contrôles beaucoup de personnages, toi, maintenant. Bah, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est deux de constitution vanille. Hein. Ah, on peut pas chanter. Non, pas encore, il faut aller au Ah. village des pestifs. Oh, On va c'est prendre le chiant. soutien des valeureux. On va effectivement accepter que le premier niveau ce soit 12 de move. Le deuxième niveau du crit, je suis d'accord. Troisième niveau du crit encore. Je suis Je suis d'accord d'accord, hein. aussi. Je suis d'accord aussi. Ah, il y a De pas la que ça. volonté. Ah. Tu vas pas faire ça, Philippe. Est-ce que ça augmente au moins son crit? Bah on est à 6 de Ouais. volonté, donc ça commence à être compliqué pour potentiellement, j'ai envie de dire, un profil de lieutenant. Ouais. Donc ça me stresse un peu, mais non, je l'aurais monté sur. Pareil, on nous a arnaqué, parce que. Ah oui. J'aurais bien amélioré sa force. Pareil, on s'est fait niquer, on sait pas pourquoi, parce qu'il avait 20 de constite à la base, et maintenant il est barde, mais il a 19 de constite. Et oui. Avec le bonus de barde et davantage de la troupe. On s'est fait niquer sa constite, on s'est juste fait niquer tout court. Ok. Ah, ou alors c'est avec ses bonus, c'est-à-dire que si je ferme la feuille de perso. Attends, je vais réouvrir le gadget. Non, il a 19 au constitution, on s'est fait douiller. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. YouTube, vous verrez. Armure intermédiaire, armure intermédiaire, armure intermédiaire. Un harponneur qui crée du saignement. Intéressant avec des archers qui sont forts contre le saignement. Ok, un peu plus gros. Mais je pense qu'un piquier, c'est un indémodable, un grand classique. Surtout quand on a l'objectif normalement de jouer que des archers en tireur, en fait, on a l'effet de contrôle avec les piquiers. Mais moi j'aurais bien joué piquier. Vas-y, joue piqué, hein. On En double maintient piqué, piquier. c'est sympa. Hein. C'est maxé. Plus de move, plus de Ah bah il force, va plus de falloir. volonté, qu'est-ce qu'on fait? Il va lui falloir un peu de move quand même, hein. Il est à combien là? Je viens de le passer à 12 déjà. 12, ça va, c'est la moyenne. Qu'est-ce que tu vas lui équiper comme lance? Bah on va aller chercher comme je vais pas faire original hein, ça va être un lieutenant 2 hein. Ok. Eh ben. Ah si, ce que tu pourrais faire, c'est au lieu de lui mettre la fureur,
Tu lui fais prendre à chaque fois qu'un allié est tapé au corps à corps. Donc il se met à côté par exemple du capitaine ou de Host de Barde, qui sont souvent en première ligne. À chaque fois qu'ils se font taper, il met un coup supplémentaire. Non, Et c'est là, pas ça peut être ça. intéressant. Chaque fois qu'un allié adjacent est attaqué en mêlée par un ennemi, Ouais. inflige 5 dégâts à cet ennemi. Ouais, donc c'est intéressant. C'est que dalle! Mais ça, c'est parce que t'es basé sur la fourche de merde qui te donne 2 de force. Ah, tu penses que c'est... Oui, passi... le passif, c'est force. Donc là, on est d'accord que si on part dans cette idée-là, donc je commence à lui monter sa force, parce qu'il a 10 en force, Voilà. le mec. Voilà. Donc en Aïe. gros, ça inflige la moitié de la valeur de force. On va vérifier, je vais passer la force à 12. Et là, normalement, on devrait me dire oui, mais 6. Ouais, ok, c'est ça. Et là, ça passe à 6. Par contre, c'est sa valeur de force brute. Sans sa pique, j'ai l'impression, hein. Non, parce que sa pique lui donne de la force. Bah ouais, mais moi, enfin, quand je regarde le soutien acéré, le passif, c'est force. Ouais. Et en fait, là, actuellement, sa pique lui donne 2, donc il est censé avoir 14. Ok. Ah, ouais. 14, et pourtant, inflige 6, pas 7. Ah ouais, donc c'est pas intéressant. Donc, et de toute façon, moi, tu sais, je suis contre ce genre de truc parce que pour moi, c'est subir. C'est-à-dire que t'attends de pouvoir faire quelque chose. Enfin, tu peux faire quelque chose et tes percs sont intéressants que lorsque tu te prends des mitres. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, me Eh prendre les critiques des autres ben. dans la gueule, déjà que j'ai du mal quand c'est leurs archers. Quand tu m'as vu déjà quand c'est leurs artificiers, comment je suis tendu, que je suis en train de manger du bois. Alors, si c'est devoir attendre, camper sur mon cul. T'inquiète, ça va bien se passer, Os de Bard, tu vas prendre des gifles. Je C'est rappelle que vrai, le c'est mec, il vrai. aime bien que ce soit brillant et chromé. Après, ce qui est dommage, ce que tu te prives d'un truc assez sympa avec les... Je sais pas si tu as déjà pris ton piqué, mais il y a le héros aussi qui est très sympa. Le héros. Ah, le héros qui applique la fureur à tous les alliés dans la zone. C'est ça. Alors ça aussi, ouais, ça c'est pas mal. Ça, je suis d'accord que c'est pas mal du tout. Tu Ça, mets c'est ça, pas mal, mais tu le mets ça problème, un... c'est que la zone, c'est 4 mètres, c'est de la merde. Et quand elle est améliorée, c'est 8 ou 6. Alors, si ça reste de la merde, 8, oui, ça commence à devenir intéressant, mais il faut que ce soit 8. Je sais plus combien c'est. Et encore, même là, tu vois, je trouve ça triste parce que ça veut dire qu'on reconnaît volontairement que le perk, enfin, que la compétence est nulle en termes de zone. Et que littéralement, son amélioration, c'est juste dire, hey mec, on t'a enfin mis une vraie zone qui permet de couvrir ta troupe, en sachant que dans des cas où tu te retrouves dans des couloirs ou dans des formats de map où t'es un peu aligné, ou dans les marais où les spots sont dégueulasses, etc., et donc t'as du mal à couvrir toute ton équipe, C'est vrai. c'est intéressant dans la zone où on est, dans les futures zones, c'est de la merde, ça commence à pas être terrible, quoi. Et ensuite... Oui, ça peut être intéressant, mais si tu commences avec un mec qui a ça et qui est ton capitaine. Parce que là, oui, tu l'utilises. Parce que, par exemple, tu vois, ce qui aurait été sympa, c'est que ce soit 8 mètres de base. Déjà, c'est pas énorme, 8 mètres de base. Mais admettons, c'est bien déjà 8 mètres de base. À tous tes alliés, et genre que l'évolution de fureur, ce soit genre 2 stacks de fureur ou genre pendant 2 tours, tu vois. Et là, t'aurais dit, ah oui, là, je prends le héros, là. Moi, je préfère avoir un piqué qui, en amélioration, m'arrête 2 gars. M'arrête net 2 mecs. Ok, vas-y, go. Parce que, en vrai, Oui, non, mais c'est oui. pété. Excuse-moi, enfin, le piqué, t'arrêtes et tu repousses d'ailleurs si t'as une. C'est vrai, c'est vrai. C'est un ré... Après. enfin, c'est... En plus, c'est le combo du piqué, c'est le combo qui va avec Zinlane, puisque c'est le combo de si normalement t'arrives pas à tuer quelqu'un, il arrive plus proche, au plus proche qu'il arrive de toi, il se prend le piqué. C'est tellement énervé que je regarde combien de fois les gars, ils évitent mon piqué. Ouais. Ils passent leur temps à faire des petites esquives gauche-droite, gauche-droite. Donc non, moi je pars là-dessus. Alors, je pars là-dessus. Je suis un gros connard de dire je pars là-dessus. Ah oui, putain, j'avoue, je suis un gros con. Pourquoi? Excuse-moi, Shinai. Je te présente toutes mes excuses. Parce que je ne t'ai pas proposé de le jouer. Bah, trop tard, tu le prends. Ok. Donc on rajoutera d'autres créatures moches. Mais t'inquiète pas, on va faire de barde de métal un allié et je te l'offrirai. C'est mon cadeau. Pas de soucis, je leur lâcherai. Et je ferai en sorte qu'il ait une armure à chapeau avec une jolie plume. Grande plume. D'accord. Une très belle plume. Voilà. J'aime la ref. J'aime beaucoup la ref.
Idéalement, je me dis Il aussi. s'appelle Stevios, quoi. Alors, on va le renommer tout de suite, hein. Il s'appelle Stevion. Steven. Stevion. Par contre, tant que t'es en... Steven. Attends, je regarde juste les runes. C'est vraiment ces blases officielles, quoi. Oh, je suis le pire. Ah ouais, il y a quand même pas mal de codex. Faut qu'on arrive à choper de la rune, hein. Bah de toute façon, toi, il faut que tu... Parce qu'en plus, ouais, tous les stuffs sont là. Hein. Tous les stuffs sont dans les ruines. Hein. Oui, je sais, je sais. Dans Je les regarde ruinas. dans 5 tours. Dans 5 tours, dans 5 repos. Donc, bah écoute, ouais, on repart vers... Alors on repart par la... Hein? À gauche. Hein? Voilà, on prend le bip. Voilà. Bip, bip. Alors si, là, ce qu'on pouvait se faire, par exemple, si tu voulais, c'était justement aller explorer l'île, maintenant qu'on est avec YouTube. Oui, On va c'est vrai. checker vite fait l'île. Ça a gonflé un peu le Sachant que compendium. j'ai un truc à récupérer. Il y a des couscous à récupérer. Je crois qu'il y a un petit spot de pêche même de mémoire. Alors, il y a même deux Ouais. spots de pêche. Je viens d'en voir un à gauche là, regarde. Ouais, vas-y, go. Oh, ils ont rajouté des petits spots. C'est bien parce que c'est vrai que la pêche était claquée. Et je comprends maintenant pourquoi ils ont gonflé les recettes de pêche. Parce que c'était un peu ultra claqué. Ah, le petit instant du lieutenant où il est seul. Où il n'est pas On vous harcelé. regarde, lieutenant! Où il n'est pas embêté par des histoires de femmes avec des grades dans l'armée. Des aberrations. Par la femme du capitaine, parce que c'est quoi le point commun déjà avec Sophia et mon mur là? C'est pas ils ont le même trait là? Ou un truc comme ça, je sais plus. Si, si, moi je m'appelle le mur, c'est le Ah oui, tu titre de t'appelles Sophie le mur et s'appelle du le coup je mur. m'appelle mon mur. C'était ça. C'est Ouais. ça. Putain, vraiment. De la pêche! Connais les spots de pêche, je connais les spots de pêche même quand je les connais pas. C'est incroyable, non? On a un barde, c'est un métalleux qui n'a plus de tête ni de cheveux. C'est un vrai métalleux. C'est un métalleux. C'est un C'est un vrai métalleux métalleux qui dort en français. pige. Je vois pas le problème. Attends, attends. Comme il n'a plus de tête, on peut le dire qu'il est français. Comment ça? C'était un. Il fait du royal metal. Du Royal Metal, ce serait pas plutôt britannique? Non, c'est royauté français, tête coupée. Ah! Non, il est... Ah. J'ai communiste, mais non, la commune, tout ça, c'est... Je retrouve pas les noms. Ah, Ah, t'as je peux repéré une pas t'aider boîte. là. Je crois que t'as vu une boîte Non, là. une grille. Ah, une grille, parce qu'il y a une boîte aussi. Ouais, attends, j'essaye juste de m'entraîner à pas faire de bruit quand je crochète. Ok, c'est bon. Il y a une boîte là. Ouais. Ah, c'est toi qui as la pièce. Je donne la pièce de puzzle. Le puzzle est complexe. Let's Ah, go. c'est l'érudit. Oh! Tu peux le faire ou je le fais? Ah, je peux le bouger. Cool. Alors, Débrouille-toi, attends. ça me gonfle. Alors, même si celui-là, il a l'air quand même vachement simple. Alors, sans vouloir te mettre la pression. L'avantage que t'as, c'est que tu peux pousser toutes tes pièces de haute vers la droite. Commencer à remonter toutes tes pièces, en fait. Non, dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Ouais. Tu vas voir, regarde. Dans l'autre sens. Tire ta pièce à droite. L'autre aussi. Non, 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 non. Tire l'autre, celle du haut à droite. Celle-ci, tu la Ah mets là. oui. Parce qu'en fait, tu vas la ramener naturellement à droite. Voilà, tu remontes celle-ci. Tu remontes celle-là, là. Excuse-moi. J'oublie de ping. Celle-là, tu la ramènes à gauche. Déjà, elles sont placées. Hop, celle-là, elle est placée au bon endroit. Et maintenant, t'as plus qu'à faire tourner celle-ci. Genre. Non, j'aurais pas. Ah, si, 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 t'es un génie. T'es un génie, mec. T'es un génie. Incompris, mais un génie quand même. J'aurais juste dit con et Ah ouais. mépris. Mais. Si tu veux être incompris ou un incompris. Ça, c'est moi. Toi aussi. T'as pris la graisse? Non, la thune. Ok. Tu veux bien prendre le sel aussi? Celle aussi. Si bon, je l'ai pris. YouTube en a marre que tu sois malade. Ils Ouais, sont moi pas aussi j'en ai contents, pas marre. contents, ils veulent diminution du temps des vidéos. Ce qui, tu comprendras, m'embête énormément.
18. Alors, À moi, à moi, connaissance à moi, à moi, à 3. moi. Et j'ai pas eu le temps de voir c'était quoi le plan? Je peux te dire ça si tu veux. C'est l'attelle. C'est pour Oh! le bricoleur. Eh ben, ce sera pour une laine, vas-y. C'est donc a 3. priori officiel. Donc, c'est un objet de ceinture. L'attelle a une chance de soigner un compagnon, ne coûte aucune plante. Voilà. Alors, l'abbé Théocène. Ah oui, mais du coup, on sait pas ce qu'il raconte, mais il a une quête, l'abbé Théocène, ou pas? Tiens, un point de Oui. compendium aussi, ça te fera la bite. Voilà. Et on a une note de l'informateur aussi, avec une carte affichée où il se trouve un trésor. Ouais, faudra Et qu'on je aille sais voir. où c'est. Que je sais tout. Aria! Je sais tout. Ah Donc, bah, vas-y. dirigez-vous vers l'usurpateur Laird, collectez les impôts, cela soulagerait les paysans et permettrait de nourrir correctement les blessés. J'accepte. C'est un brave homme. Attends. Il va venir avec nous. Ah putain. Quand je le traîne avec nous? Bah ouais. Je suis trop d'accord. Il y a deux choux là. Bon, on va les laisser. La madame, elle raconte rien de spécial? Non, mais bon, moi je pense que c'est cool de mettre le métalleux avec notre barde du métal avec le père. Là, c'est Ouais, ok ou carrément. pas? Genre, Vas-y. tu vois la recette du plat du choc des cultures là? Qui s'appelle le choc des Ouais. cultures? Bah, en fait, c'est ni plus ni moins. Tu prends le barde de métal et le père là, et tu les mets dans la gamelle, hein, c'est tout. Hein. Il se passe rien Vas-y, c'est d'autre. Hein. bon. Ils sont tout seuls dans la tente tous les deux. Allez! Ouf! You can Ouf. touch mon tralala! Ah, mais si oui aussi dedans. Oh, tiens, je peux refaire un potage de brochet du coup. Excellent. Mais un si oui dedans. Latel, monsieur Ah oui, Latel. Stevie Peux-tu, en. s'il te plaît, me donner 3 de Mais cordes, elle est 4 de pleine ta tente, non? bois? Ah non. Tu veux quoi, excuse-moi? Cordes, on n'a pas? Alors, j'ai racheté des cordes auprès du marchand, donc j'ai de la corde, mais je crois que tu as dit le mot bois. Ouah. Ah, il n'y a pas, hein. Y a pas. Zéro, R. Dommage. Parce que même moi, tu vois, je voulais faire une fourche correcte à un camarade syndiqué, là, c'est pas possible. C'est genre pas possible. Et donc en priorité, on fera la fourche. Alors, par contre, on peut soit aller débloquer une autre recette de cuisine, soit on peut être sérieux et se débloquer le set de niveau 4 du forgeron. Le 7 de niveau 4 et ce serait... Ah, confirmé. Bah, les fameuses armures. Avec un Z. Mais le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui portent de vraies armures. Par Non. contre, c'est bien, je peux voir les stats. Oui. De la Jacques. Oh, mais c'est de la merde en fait. C'est de la grosse daube. C'est de la grosse Mais, daube. Donc on va se faire une attends, recette. attends, 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 attends. Oui, dis-moi. Mais, conjonction de coordination qui marque une opposition. C'est pas Quand faux. tu les fais bien, t'as 2 slots. Oui, Or, bien si tu sûr. regardes, si Ah, tu bien regardes, sûr. Non, mais on est regarde, d'accord. regarde. Fais un clic droit sur tous tes gadgets. Non, Sur mais je. tous les gadgets, il n'y a que toi qui ai des renforts. Oui. Oui, parce que je suis seul à utiliser les armures que je forge. Oui, parce que moi j'ai des armures qui donnent du critique de base, mais c'est Mais pas non, mais en l'objectif. fait, c'est parce que la réalité, c'est que le premier truc qu'on récupère, c'est pas le renard. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est tout ce qui vient du renard et du faucon. Et le renard, on va le récupérer si on fait cette putain de quête que je t'ai dit qu'il faut aller faire. Mais là, puisqu'on se trimballe l'abbé, il va nous coûter de la bouffe, donc on va faire sa quête en C'est pas vitesse grave, et on se... il nous gagne du transport, je m'en fous, moi ça me dérange pas. Hein. Ok. Moi ça me dérange pas, là je débloque de la bouffe, on se trimballe l'abbé, Ah. comme on se trimballe le métalleux Est-ce depuis tout à l'heure, je m'en fous. Ou alors on peut aller les chercher si tu veux, hein. Moi ça me. que alors attends, maintenant ça peut valoir le coup. Maintenant ça peut valoir le coup. Je sais pas combien On s'est traîné des prisonniers la pendant tellement de temps. Oui, c'est vrai. Je sais pas combien coûte en tout notre le salaire de tout le monde, mais frugalité peut peut-être nous faire économiser pas mal. Oui, non, parce que bah, frugalité, ça nous baisse pas le salaire de chacun, ça nous baisse le salaire, le total, c'est ça? Solde Tatata, versé aux solde versé aux compagnons réduite de compagnons réduite de 10%. 10%. Ah, si, ouais, on doit être autour des 200 balles là, c'est ça? Ouais, parce que moi je suis à 102 et toi Théa? 121. On a plus de 200 balles. Donc ça veut dire qu'on T'as dit économiserait combien? 100 combien toi? 102, donc ça veut dire qu'on économiserait On est 21 à balles. 22 223. balles. On 200, 22 économiserait balles. 22 dollars. C'est pas Qui est rien, leur j'avoue. salaire, qui est le salaire d'une personne ou Oui. Ouais, c'est... Ouais, non, c'est pas déconnant. Vas-y, on prend la frugalité. Vas-y. Ça nous Pour débloque quoi l'argent, derrière? gain de crown après un combat augmenté de 5%. Ah oui, c'est vrai que ça débloque ce genre de truc très intéressant. Excuse-moi, j'avais C'est oublié qu'à vrai! quel point C'est c'était vrai! génial. Shinai, C'est t'es un vrai! génie, mec. Merci! Je le savais pas moi-même.
Par contre, l'avantage, c'est que vu qu'on a fait l'abbaye, on a quelques objets vite fait à vendre. On a quelques babioles à la con. Mais effectivement, si tu veux, on peut aller directement tout droit vers son combat, lui. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Let's go. D'accord. Allez. Et n'oublions oh, pas ça veut qu'on a dire un qu'on petit. peut aussi... Ça peut aussi faire la quête qu'il y a sur... à gauche? Attends, je suis bloqué dans le pont. Non, mais mec, il y a des quêtes partout. Hein. Ça va être un sup. Hein. Eh, j'ai cliqué là-dessus, moi, à la base. Ah, Ouais, mais on moi je fais pose. ça. Pose un camp, ouais. Vas-y, je cherche. Pouette! Oula! La bouffe. Alors, je vais garder ça. La bouffe, comment ça sera raréfié? Une Waouh! pomme, ça. Et bien sûr, puisqu'on a toujours notre ami le métallo, on continue à le saucer avec du vin des Doranes. Hein. Vraiment, c'est Vas-y. tellement notre ami. Ah ouais, ça y est, les gens, ils ont senti l'odeur de la picole, la voix du métal, ils sont venus tout de suite. Insupportable. Oh, ça met un peu de temps à charger. Ah, Ah, ils commence sont à y deux à avoir jouer du en monde sur la premier. table. Hein. Je peux avec Sofia les buter les deux si tu veux. Oula, oula, oula. Calmez-vous, j'ai placé personne. Yeah, allez, mettez déjà. Oh, il y a du monde en Calmez-vous. bas aussi. Alors Je attends. ramène tout le monde au top déjà. Tout le À monde mon au beau top. mur. Et Totorus. Et Totorus par là, parce que sinon il n'avance pas, hein, Totorus. Donc on va l'amener un petit peu devant. À mon beau mur. Bon, il a un spot dégueulasse. Si je te pique un spot à toi. Ah ouais, Vas-y. c'est. Ah, j'ai le choix entre Après, dégueulasse et pas terrible, voire dégueulassement pas terrible. Hein. t'as un. Oui. Attends, je vais mettre un Zinlan ici, moi. La cochonne, idéalement. Ouais, non, mais la Bon, cochonne. après, voilà, j'ai envie de te dire, tu veux tuer les deux, bute tout le monde. C'est vrai, je peux. Je Oui, peux. vas-y, régale-toi. Oh, oui, merci. YouTube est là pour ça. YouTube n'est pas là pour regarder ce que va faire Zinlane. YouTube est là pour regarder ce que tu vas faire. Et là, le plus terrible, c'est si d'un seul coup Ouais. j'appuie sur la touche d'arrêter d'enregistrer. Et là, je crois que tu me détestes. Pourquoi? Parce que c'était le moment de voir que t'étais utile. Non, mais d'ailleurs, dans les vraies utilités, parce que c'est vrai que moi j'adore recruter des chevaux, évidemment, on se demande pas pourquoi. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se poser la question. Hein. Non, il n'y a pas besoin de se poser la question, Ah, vraiment. je pense que de l'autre côté, dans ma game solo, j'étais quand même en train de me poser la question de est-ce que finalement les 4 derniers compagnons qui me manquent pour débloquer la Big Happy Family, j'achète pas juste 4 chevaux. Ben voilà, Voilà. je pense. Et je vais me ramener vers mon mur parce que j'ai dépensé quand même pas mal de points. Où est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux placer mon mur pour générer un maximum de points? Tu peux te placer devant moi légèrement à gauche. Alors, légèrement à droite si tu préfères. Non, de l'autre côté. Vers la lance, vers la boue si tu préfères. Vers une zone où tu D'accord. me gênes pas pour évoluer. Voilà. Voire tu Ah peux me bah coller mince. socle à socle un petit peu si tu veux. Là. Bonjour mon lieutenant, comment allez-vous? Solide. Solide. D'ailleurs, c'est pas le lieutenant, c'est capitaine. Capitaine, pardon! Le lieutenant me fait peur un peu. Lui Parce que n'attend là. pas ton Taurus, alors si tu veux, tu peux générer 4 points. Non, ça dépend qui joue là, quoi, qui fait quoi. Le maraudeur tout en bas qui n'atteindra jamais Taurus. Là, idéalement, ce qu'il faudrait jouer. Putain, ils ont trois braconniers. Ils ont un braconnier qui va jouer, deux braconniers qui vont jouer. Ah, j'en atteins aucun. Par contre, je Ouais. peux péter un truand. Le truand dans la boue là? Ouais, je peux péter un Vas-y. truand. Oh, excuse-moi, attends. Je regarde Non. juste mon déplacement. Je te déconseille d'aller buter ce truand là. Pourquoi? Ah, celui-là. Ok, Ah, vas-y, pas celui qui est direct. dans la boue, celui-là. Alors, t'as donné les points? Pas encore, justement, je suis en train de me dire, Ok. je peux peut-être m'offrir le luxe de reculer d'un mètre ou deux pour avoir 3 points. Ouais, c'est bon, j'ai 3 points. Ah, par contre, j'atteins plus rien. Sad. C'est triste. Ok, toi. Bah, Totoru, je crois, hein. Totorus, si tu es capable d'aller buter l'archer qui va jouer, oui. Pas Totoru, je crois, hein. T'as quelqu'un qui peut aller le chercher? Non, aucun. On est beaucoup trop loin, regarde où il est.
Ok, bah dans ces cas-là, c'est quoi? C'est des artificiers ou des braconniers? Des Non, braconniers. braconnier. Et bah je vais Braconnier, les je faire crois. chier, je vais jouer Totorus et je vais engager leurs potes. Vas-y. Voilà. Ouh! Ça burn baby burn. Hein. Ouais, les critiques font vraiment mal. En fait, la force, les bulles de force, faut limite les jouer crit. Coucou. Coucou. Alors comme ça, je pouvais pas venir te chercher. Tu baisses les yeux, bâtard. Tu vois pourquoi Taurus, en fait, ma faute, c'est pas de le jouer en crit. Tu comprends mieux pourquoi. Mais parce que Parce que j'essaye je. d'avoir ce juste équilibre entre la force et le crit, qui est pas, en fait, qui est en fait pas la bavure que dans laquelle t'es rentré malheureusement avec l'inlane, qui est putain, j'attends mon crit, parce que si je fais pas mon crit, je fais pas de dégâts. Et je voulais quand même pouvoir assurer un minimum de dégâts. Zinlane monte principalement la dext que le crit, hein. Attends, attends, 2 secondes. Zinlan, il est là. Alors, on va le montrer aux gens. Les gens vont nous donner leur avis. 43 de dextérité, donc les gens ont dit que t'étais une tarlouse. Non, en vrai, c'est pas faux. C'est pas vrai. 28% de chance de coup critique, t'as une chance sur 4. Donc il te manque peut-être un peu de crit pour le coup, pour passer à une chance sur 3. Mais il a Edenal. extraordinaire, agile. Edenal, 31. Putain, ils ont autant de différence que ça? Mais parce que regarde, Zinlane il a agile, 5% de dex supplémentaire. Ouais. Ah oui. Colosse, bourreau, courageux. Ah Et comme oui, ils la sont. totale. Ouais. Oh, il est bien servi le con. Bah les premiers en général, c'est ceux qui ont le plus de traits, hein. Ah mais attends, t'es en train de me dire non mais je m'en fous, revends-le ton truc. Mais je te déteste. De quoi revends-le mon truc? J'avais fait, je crois, le plus un truc de sagesse plus un de mouvement. Enfin, tu sais, j'avais amendé, sorti un. J'ai jamais dit qu'il fallait que tu le revendes. T'avais fait un truc du défenseur d'abord. Ok? Oui, peut-être du défenseur, mais t'aurais Ouais. pu le mettre sur ta tunique de hors-la-loi. Ben tu l'as vendu sans que j'ai eu le temps de te le dire. Bah, non, tu m'as dit que j'en ai pas besoin, garde-le. Je t'ai dit que j'en avais pas besoin. Il a dit non, mais c'est Ouais, bon, bon. garde-le. Bah, je l'ai vendu. De toute façon, on a aucune... YouTube n'a Mais aucun problème. sache que dès qu'on a un peu de cuir vite fait, slash un peu de bois, tu me dis, je te fais le renfort de ta vie. Genre, je te rajoute un de mouvement. C'est pas dégueulasse. C'est pas rentable, je préfère que tu me fasses un renfort du renard qui va arriver bientôt. Même pour l'instant, on l'a pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, on pourra te le faire sauter. Et de toute façon, pour ne pas perdre, pour gagner de l'XP, je ferai forcément un renfort du renard. Donc, en attendant, je peux te donner un point de move de plus, tu vois. Enfin, je veux dire, Libre. c'est une histoire de ça va me coûter 2 bouts de bois qu'on n'a pas actuellement, mais peut-être un cuir de plus ou deux, tu vois, qu'on n'a Ouais, pas. tu vois par contre ce qui est Je te le dommage, fais, tu vois. sur les maps comme ça où il y a des lances et compagnie, tu peux pas récupérer le bois des lances. Bah, en fait, oui, j'avoue que le jeu te. Mais en fait, le problème. Moi, c'est un peu le souci que j'ai avec le jeu où il est conçu pour te jouer. Il est un petit peu trop arcade sur certaines choses. Il se veut simulationniste. Et à la fois arcade, parce qu'en vrai il est assez arcade. Ah, et en fait il est assez jeu de rôle. Je trouve ça dommage que par exemple, bah, t'affrontes. Je l'ai déjà dit, bon, je vais le redire pour YouTube. Je trouve ça dommage que t'affrontes 17 porcs et que tu repars avec 8 côtes de cochon, quoi. Enfin, le jour où t'as des types qui tuent 17 porcs, crois-moi bien qu'ils mangent plus qu'une journée. Ou deux. Ils Qu'est-ce que tu mangent fais pour un mois. avec Taurus? Excuse-moi, bah je m'arrête là. Terminé. Oi! Oh, glorieux, hein. Oh, il est glorieux, hein. Le jeu, il l'a dit, hein. Je lui ai dit, Totorus, il est lent, mais il est glorieux. Est-ce que je peux aller ponker quelqu'un? Non, je peux pas. J'ai pas le déplacement pour. Est-ce qu'avec. J'ai un lieutenant, il peut aller jusque-là. Jusque-là Bah, il et peut planter une vas-y. lance dans un type. Vas-y, plante une lance dans un type. Par exemple. Après, je sais pas si t'as quelque chose qui peut aller plus loin ou pas. Non, j'ai rien qui peut aller plus loin, je T'as peux. rien qui peut arriver jusqu'à ce truand-là, Si, mais si lui tu as vu lancer que j'ai une une cible. dague et cavaler jusque-là? Alors, mais là, comme je te l'avais expliqué, je ne la joue pas comme ça, je la joue poison. Parce que dès qu'on va faire l'arène, elle va avoir une dague qui va lui augmenter ses dégâts de 60%. T'as tu quoi? C'est quoi là? Ça mériterait que j'aille jusque-là. Je prenne cette lance et je te laisse deviner sur qui je vais la lancer. Tu peux pas la lancer sur un pote, désolé. Je peux la lancer dans cette zone-là. T'es sûr tu veux qu'on teste? Tu veux qu'on teste? Bon, ok.
Et si tu voulais lancer des lances, fallait prendre la. Il va peut-être falloir la course à mon lieutenant, au lieutenant, mon lieutenant. Ouais. Triste. Tu On parie qu'il te recules. repousse. On parie qu'il te repousse. Non, il repousse. Le Le capitaine! capitaine. Oh! Et il bouge pas. Alors là, vous m'excuserez, je vais encore bousiller mon brillant et chromé. Mais c'est une histoire d'homme. Tu vois, c'est le face-à-face. Je Ah, pourrais on a optimiser mon droit. move en me mettant là. Mais c'est une histoire de face-à-face. C'est une histoire d'homme là. On a deux hommes qui vont se rouler dans la boue. Combat de catch d'hommes. Femme, sortez votre popcorn. Ok. Et profitez. Enfin, Ok. votre chocolat ou ce que vous voulez. La Régalez-vous, glace. les hommes virils et musculeux se foutent sur la gueule avec des gros marteaux. Hein. Des gros marteaux. Parce que pareil, hein, j'aurais pu prendre la lance. Hein. Mais non, là c'était. Il était en face de moi, c'était le 1-1, je voulais pas le savoir, tu vois. Et il se passe que je suis plus gros, voilà, c'est tout. Plus gros, plus fort, plus musculeux. Et plus chromé. Exactement. Exactement. Ah, ça tourne mal pour Taurus. Non, Peut-être non, ça falloir va, l'aider. t'inquiète. Bon, un petit poison, ça va. Ça va! Mais oui, ça, là, il se passe que Taurus, il va manger le pack dans sa gueule. Hein. Il va manger sévèrement le pack. Hein. Lui, il touchera pas. Ok. Je viens ponquer un truand ici. Il m'a dit. Que c'est le prochain à jouer. Alors, du feu! Alors par contre, puisque t'avais le move, t'aurais peut-être pu te mettre plus sur le côté, parce que tu as peut-être gêné par exemple mon fourchman là, Steve en. Stevie en. qui pourrait venir t'aider, tu vois. Mais bon, t'as pas besoin d'aide, on a compris. YouTube a Brutalité compris. pour toi. Cadeau. Brutality. Je te donne la brutalité. Comme ça, ta J'ai zone est utile. pas bougé, quoi. Bah après c'est tous les gens inutiles, parce que évidemment comme d'habitude t'as décidé qu'Edenal était inutile. Tac tac tic tac 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 touc tac tac. Steven. Non. J'allais déplacer Edenal, mais je pense que t'arriveras à le faire tout seul. Je vais rapprocher Edenal. Problème. Putain, j'ai même pas le déplacement pour arriver jusqu'à Taurus. En même temps, c'est la boue, hein. Rappelle-toi la dernière fois comment on a galéré dans la boue. Hein. Est-ce que je peux utiliser un point, juste un, pour pousser le braconnier dans la zone de Willad? Du Dans la zone lieutenant 2? Willad. Du lieutenant Willad. Ah oui, ah oui, c'est du génie ça même. Tu recules! Mais tu pouvais pas le faire avec un jet de course? Ah, débloqué le trait opportuniste. Le lieutenant a débloqué opportuniste, c'est pas une bonne nouvelle pour les ennemis, ça. Et je peux faire une course juste devant Os de Bard, mais c'est une très mauvaise idée, donc je vais le mettre à Pourquoi? côté. En fait, l'idée, c'était de dire, avant que tu fasses tout ça, si tu pouvais Ouais. faire une course et te retrouver devant Os de Bard, est-ce que tu pouvais le toucher Non, j'étais sans... trop loin. Enfin, au plus loin de ta course, est-ce que tu pouvais le toucher sans faire appel à ton truc? Parce que, éventuellement, si tu pouvais t'en passer, tu pouvais faire une Ouais. deuxième attaque pareille en cramant des points pour tuer le braconnier qui est engagé sur Tortus. Comme ça, le mec suivant serait venu l'engager et on aurait gagné un point. Non, je pouvais pas. Au lieu d'être contourné. Loin. Mais ouais, pas de soucis, hein. Mais vas-y, vas-y, ramène-toi, ramène-toi. Pas devant parce que c'était déjà pas beaucoup de Oui, sur le mouvement. côté, prends la lance, régale-toi, regarde, teste la bonne grosse lance là. Je peux pas, T'as un peu loin esquivé là. là, hein, la bonne grosse lance, juste parce que s'il faut de la force, ne serait-ce que pour la sortir. Hein. Attention, le mec qui sert Alors. à rien. Tu vas pas être bien utile. C'est Tu pas fais une petite nouveau. sauvegarde, s'il te plaît? Ah, carrément en plus. C'est sauvegardé. Merci bien. Bien joué. Bien joué. Peux même te mettre une petite zone puisqu'on Mais a 100 mets la points, il y a zone plein de carrément, place. vas-y, hein. C'est le moment. Hein. Parce qu'ils vont tous essayer de. Enfin, le dernier va essayer de venir dessus. Hein.
Allez, Regarde. montre-moi ton talent. T'as monté. Parfait. C'est ça. Tout est dit. J'aime beaucoup le chiffre. J'ai pas Ben, vu, à c'était quoi, toi. 42? 69. 69. Ah, oui, ok. On commence par l'ouvrir. Je pourrais lui mettre un courroux, mais je pourrais juste le finir aussi avec une torche. Ou alors, Je l'attaque je fais auto. rien, je lui mets, enfin, je lui mets une torchette. Ouais. Bon, je lui ai mis une Oui. grosse torchette. C'était pas prévu comme ça. Alors attendez, je vais essayer avec ce monsieur. Bonjour. Alors en fait, je voulais mettre une torchette. Voilà, parce que pour qu'on fasse un prisonnier quand même. Oui, j'ai toujours pas de soins sur mon lieutenant, rien. Oh là là, c'est terrible. Alors. Je vais déplacer un lieutenant, mon lieutenant, je pense. Et je pense que je vais pousser un monsieur. Eh, donc tu Ou vas le je vais démanteler encore. demander à monsieur de pousser le monsieur. Dites-lui qu'il recule. Voilà, merci. Il Parce a. qu'il est dégueulasse, hein, quand même. Il pue, hein. Le savon, voilà. Heureusement qu'on en a une qui a le savon d'ailleurs, parce que sinon, c'est compliqué, hein. Voilà. Ouais, c'est la Tac! lieutenant. Voilà. Je déplace un perso inutile. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que le dernier vienne se suicider. Voilà, donc lui va venir là. Youpi, Yata. Il se passe rien. Je pose même pas de zone. Le capitaine, il vient là. S'il est capitaine. Voilà. Il y en a une cochonne. Une Gruik-Gruik. La Gruik-Gruik Family. Je me déplace pour que l'autre il puisse venir à côté du tank. Voilà. Est-ce qu'Edenal va réussir à se déplacer? Si on y croit. On croit en Edenal, lui, il s'est Edenal. pas déplacé. Hein. Vas-y, vas-y, déplace Edenal. Moi, je veux voir s'il arrive à réussir à atteindre. Non, mais il a déjà passé son tour, hein, Edenal. Ah, sans bouger? Ouais, sans bouger. Oh, le gaspillage de points, quoi. Bah ouais, carrément. Ok, vas-y, vas-y. Bah écoute, passe Mela, hein, passe qui t'a passé. Mais Moi, j'ai là, passé non, tout le monde, hein. c'est elle qui a le. Ouais, bah Et écoute, moi, gros, j'ai vas-y. passé tout le monde. Je vais rien passer, hein. C'est pas que je veux pas, mais. J'ai passé, dépassé tout le monde, hein. Crois qu'il y a un meurtre. 80. Oui, en fait, là, tu vois, c'est la preuve que là, il faut monter ton taux de crit. Oui. Quelle que soit la manière, en fait, genre, tu peux aller te chercher 2 points de volonté pour faire augmenter d'1% ton taux de crit, par exemple. Tu vois, Ouais, d'ailleurs, en plus, il a pas. Ah, si, il a 12 de la petite volonté parce qu'on est un augmentation de prisonnier. malin, tu vois, en scred. Alors, il faut savoir que Zinlan est tyrannique. À chaque fois qu'il y a un prisonnier, il a plus 2 de volonté. Ah, Ok. esclavagiste en puissance. Oui. On n'a plus de matériaux bruts pour réparer nos amis les tanks, bien sûr. On appréciera. On a. On n'a plus rien. Sad. On a de la picole. Ils nous ont remboursé la picole, les gens. Alors je crois savoir qu'il y a des choses là dans la pampa. Il n'y a pas un cadavre de type là qui traîne là-dedans là. Ou du poisson sur la berge. Sûr, bien sûr. On regardera plus tard. On fera les tours de Non, non, je berge. suis juste allé. Ah là, si, si, il y a un monsieur, il est mort là au milieu du champ. Poète, What? poète. Attends, Ah, je peux le loot à cette distance? C'était quoi ce bordel? Oh, je les loot, mais de si loin. Attends, on va parler à la bergerie. Mais non, je... Ah, c'est bon, on a la quête. La quête est là. Kékette. Kékette. Bah, il y a une quête. Kékette. Quelle quête? Oh, c'est passé quoi là? Oh, c'est à moi. Oh, en plus, il y a Ah, t'as une des clé matériaux de ouvragée en... réparation. Eh, attends, t'as une clé ouvragée, toi? Oui, on est en train de descendre là. Là, on descend là. Il se passe des choses. Hein. Non, 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 non. Oh, t'as même pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait. Non. Oh la vache, le type. Alors attends, bonne nouvelle. Nous avons une armure de plate renforcée en fait standard. Alors je vais regarder quand même pour ton plaisir. Mais je crois que en gros c'est la version que moi je loot que je fabrique de base. Ouais c'est ça. C'est l'armure de plate renforcée de base 0 étoile. Ok. Donc on a récupéré ça et on a récupéré un Hubert de fer niveau 3. Pareil, force 4 plus 4. Parce que c'est là 0 étoile aussi. Ok, Mais t'as bon, du c'est bois toujours sympa, après. ça va faire 10-20 balles tranquillou. Par contre, on a le petit livre rouge. Et t'as l'eau Bon, pour récupérer. on a du bois, récup. Regarde. Ah oui, couper du bois. Excellent. Excellent, excellent. Zblu. Suivi d'un zblu. Suivi d'un zblu.
Suivi d'un zbleu. Suivi pendant. Je suis fatigué. Voilà. J'ai rien d'autre. Ah, il y a ce sac qu'on n'a pas fouillé. Tac, tac. What else? What else? Vas-y, cache-moi des choses encore, le jeu. Je prends tout, hein, je te préviens. On est bon. Voilà, dès qu'on croise un marchand sur la route, on peut se faire plaisir. Hein. Ouais, on part en haut, s'il te plaît. Oh, oui. Tout en regardant s'il n'y a pas un marchand sur la route, hein, bien sûr. Mm-hmm. Le hameau de Bohème. Oh, il y avait du bois, là. On prend en haut. Partir. Partir. Partir, on va ici. Hop là, bout de bois, c'est bon. On peut aller friter qui tu veux. Oh, des cochons. Des cochons dans la street. Eh, on a oublié de claquer le point de connaissance. J'ai perdu Shina, je crois. Je crois que j'ai non, perdu non, je suis Shina. Là, je suis en train d'inspecter les gars. Ok. Alors, on pourra pas. On pourra pas les. Les tonquer. Ouais. C'est des sapeurs, donc chiant. Des sapeurs. Zone. Oh non. Zone d'opportunité. Ah non, ça va, ça va, ça va. Ils font pas du feu? Ça va. Non. Les légionnaires sont chiants. 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque là. Ils sont où les autres? En haut à gauche. Ah, ils sont là-bas. Non. Deux sapeurs paumés dans la pampa. Je crois que t'as la place pour ramener, si tu le souhaites. Edenal, ouais. Edenal. Par contre, si tu veux bien laisser la place au tank, casse-toi là. Tu gênes un peu là. Ah, c'est pas déconnant, tu pourrais rester là en vrai. Qu'est-ce qu'on va mettre en arrière? Willad? C'est quoi le move de Willad? Ah oui, il est gêné par les autres. Et s'il est pas gêné, ouais, il cavale. Ok, va pour un Willad. Bah, de mon bar. Mur, là, par il contre, va je déjà te pousse un... ton Edenal, excuse-moi un petit peu, parce que j'essaie de ramener Os de Bard. En fait, j'essaie de ramener les cacs qui n'ont pas trop de move vers l'avant. Ouais. Même si Zinlen tu l'as mis très au cœur et que pour le coup tu pourrais le mettre peut-être au top, enfin au top, c'est-à-dire à droite de Sophia, ramener Sophia à sa place, ouais, et serrer Edenal contre Zinlen pour que les deux archers jouent ensemble. Mmh. Et là, une petite zone, une petite là, zone suite, qui hein pointe vers le nord. Tout de suite. Ah, en fait, je vois pas d'autres mecs qui jouent tout de suite maintenant qui poseraient des problèmes, donc c'est lui qui joue le prochain. Okay. Donc non, te rapproche même pas. Hein. Te rapproche même si, pas parce que le mec, vois. Il a du move. Ah oui, il fallait. Oui, ok. Recule-toi en fait parce que le gars, il a un move. Alors attends, je regarde son move. Ah ouais, il a un move dans le bâtard. Attends, il a un move de... Attends, je regarde le gars. Ah ouais... Alors tu peux même encore reculer si tu veux. Tu vas même te cacher derrière Edenal, voilà, te mettre à côté de deux potes, voilà, et tu cover. Exactement. Oh le tarba. Hein, joli. Ah oui, parce qu'il a retraversé ta zone, mais quel con. C'est un génie le gars. Le gars est un génie. C'est le légionnaire ici qui joue. Donc si tu veux donner du point. Popoète, popoète. Oui, parce que l'autre con il a tout bouffé évidemment. Il en a quand même régénéré hein. Il a tout bouffé. Et surtout il a bouffé du définitif édition. Tac 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 tac. Non, je me serais pas mis là. Moi je me mets là. D'accord. C'est mon choix. D'accord. Non, l'huile de force, bien ça. Très bien, dommage. Hein. Il lui manquait genre 2 points de vie et le mec qui descendait. Hein. Ok.
Ils sont nuls, ces archers-là aussi. Hein. C'est une catastrophe. Ils sont très forts et très utiles quand ils sont proches, mais sinon, c'est vraiment de la merde. Tac. Hop là. Déjà. Parce qu'il n'y a pas de raison. On est d'accord, hein. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et bah un petit coup de hache pour terminer là-dedans, là, dans le gras, là, voilà. Vous êtes toujours pas mort. Crève. Merci, charogne. Voilà, tu te déplaces ici. Ah, merde, j'ai pas assez de move. Tain, il me manque un mètre de move. Hein. Tra, les mecs qui repoussent. Hein. Qu'est-ce qui me fatigue hein. Il m'épuise. Je déplacerais bien Willad pour faire chier leur sapeur, en fait. Vas-y. Parce qu'ils se déplacent quoi ? Ah putain, ils vont se déplacer loin hein, leur sapeur. Hein. Tu recules ! Voilà. Il a combien de moves l'archer hein, juste pour rigoler là. Les sapeurs, ils sont abusés en termes de move. 12 de move. Où t'as vu que t'avais 12 de move? Est-ce que Edenal peut bien me chasser ce fils de... ce charmant monsieur? Alors, c'est une dame. M'en fous. Et je te propose de faire ceci. Il a pas une dégaine de métalleux. J'aime ta façon de le repousser en arrière. Hein. Enfin, il y a un lieutenant, il a approuvé. Hein. Et tu vois Ivoire, là? Ivory? Lui, là. Yes. Ivory. Je vais lui mettre la flèche de recul qui bouffe un point. Ah oui, Ivior. Ah, Ivior. Pour pas qu'il... Pour diminuer son mouvement de 2. Ok, ça marche. De moitié. Et bah, qui recule. Voilà, parfait. Finir ici. Excellent. Attends, le lieutenant, il est fier de toi. Mm-hmm. Sache-le. Alors là, je peux bouger un gros, mais c'est vraiment genre pour bouger un gros, quoi. C'est vraiment genre, c'est pour l'armée. C'est pour l'amener ici, quoi. Il se passe rien de plus, quoi. Est-ce que tu veux que je fasse ça? Je sais pas si y a... Non, je vais prendre le tour, s'il te plaît. Et pour avancer? Ou pour aller taper lui? Parce que toi, tu peux aller taper celui-là. Hein. Aucun si intérêt veux. D'aller taper, il arrivera jamais. Ok. Et c'est quoi le prochain à jouer? Ah oui, c'est les gens qui sont très loin. Mm-hmm. Si, il arrivera. Hein. Il arrive. Pas ce tour-ci, hein. Mais il arrivera au tour prochain. Ouais, au tour prochain. Mais ce que je veux dire, c'est que là, avec ce qu'il a déjà pris, tu peux peut-être le zigouiller. Et comme ça, on peut full concentrer toutes nos forces contre les mecs qui sont à gauche. Tu vois ouais, ce que je veux dire? Ça résoudrait juste. Ouais, si tu veux. C'est, en fait, ça nous permet de nous reconcentrer entièrement à gauche. On sait qu'on n'a pas d'autres ennemis, quoi. Et ça veut dire que tes deux archers peuvent réavancer. Désolé, je vous montre pas trop la scène YouTube parce que je trouve ça extrêmement violent et méchant. Déplacer un gros pour un gros. Tu recules, Hercule. Alors si vous me permettez, j'aimerais avant tout, attends lui il va loin, pas si loin que ça, reposer la zone de Willad. On appellera la zone de Willad. Je repousse lui. Ah oui merde, ça c'est embêtant. Ok, alors. Et on demande à ma cochonne de taper ce con. Voilà. Mmh. Et on lui remet une zone. Juste là. Ouais. Dans cette zone. Alors du coup, ça se fait en deux moves. Parce que c'était pas prévu. J'avais pas vu que ma cochonne était engagée. Mmh. J'y mets un capitaine.
Ouais. Je lui enfonce les côtes. Ah, il voit flou. Je l'emmène. Ok, emmène-le. C'est pas un criminel, c'est dommage. Si, ça compte aussi. Ok. Ça compte toujours. Et tu veux pas finir le légionnaire? Avec un coup? Hein, c'est pas faux. Bon, bah, tu recules, hein. Le monsieur, il a dit juste derrière moi. Capitaine Tréco, genre, le mec, il a dit, bon, recule, hein, vas-y, recule. Hein. Voilà. Moi, à partir de là, je suis pas très utile. Donc, si tu veux pas bouger tes archers, tes assassins, machin, etc., tu me dis, je coule mes tours. Edenal peut aller jusqu'où? Ouais, vas-y, coule tes tours, s'il te plaît. Zébardi. Glorieux, cool. Là, tu vas devenir un peu plus utile, je pense. Est-ce que tu veux jouer un de tes persos? Je peux pas l'atteindre. Est-ce que si je joue Mela, tu Alors, je peux peux le mettre l'atteindre? là, hein, mais voilà. Non, même si tu joues Mela, ça changeait rien. Vu où est-ce qu'il était placé, ça ne changeait rien. Ok. Ça change si lui, il peut faire des choses, si tu veux, mais voilà. Peut aller derrière et dire tu recules, genre de Attends, choses. je vais y aller avec Mela, s'il te plaît. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais simplement lui mettre une auto vanilla. Pas besoin de plus. Et je vais venir le terminer avec Sophia. Alors. Ça va être une auto-attaque de bas. Ah oui, d'accord. J'avais vraiment pas vu combien tu lui mettais. Je voulais réinitialiser mon move, mais non. Si je me mets là, je vais te bloquer du move. Bon, de toute façon, ils sont devant. Bah, surtout que là tu bloques tout. Enfin, déjà, mais là bloque déjà tout en fait. Super. Voilà. Allez. Donc c'est pas grave, hein. Y a pas de sous. Moi je Et prends mon donc, gars, je vais. je fais comme toi, je bloque tout. Vas-y! Après là, c'est des sapeurs, c'est chiant. Non, je vais l'avancer et je vais lui faire claquer M-Point parce qu'il est remboursé. C'est l'avantage des piquets du coup, hein, c'est que tu te fais rembourser tes points. Et non, la cushion! Bon, ça va, c'est une caisse à pèvre. Bah, je joue aux Mais ils vont Zimian tout coller dedans, d'abord. par contre, hein, ces abrutis. Ouais. Est-ce que ça, pour le coup, quand tu me parlais du Discord, ouais, on est prêt à écouter vos suggestions, etc. Vraiment, la possibilité de mettre les animaux au combat ou non, ça devrait être obligatoire. Parce que elle nous met juste des bâtons dans les roues. Elle sert à rien. Des fois, elle tanque un peu dans un donjon, youpi, Bon. Yatta, on est content, mais globalement, c'est un siphon à remède. Ça sert à rien. YouTube t'attend, hein. Ils sont là, t'es en train de te glander l'arrêt sur ton Zinlane nul. YouTube a dit, ça nous intéresse pas. Je comprends, hein. Je comprends, hein. Je comprends. Je suis obligé d'être d'accord avec YouTube, hein. J'ai pas le choix. D'ailleurs, d'un point de vue professionnel, j'ai pas le choix. Voilà. Tu vas vouloir bouger après? Edenal, Edenal. Habilité? Repousser le sapeur? Popopo! Bien joué, mec. Oh là là. J'espère que Zinen, il en a pris des leçons. Hein. Et tu vois, ce qui est triste, c'est que Zinen, vu que c'est celui qui a le plus de dex et le plus de crit sur les deux, eh ben, c'est pas celui qui fait des tirs de chasseur. Bah, C'est ce que je trouve dommage. Moi, perso, hein. C'est mon avis, car c'est je mes sais trucs pas, tu que trouves j'ai. ça dommage qu'un mec il puisse mettre 5 attaques en un tour? Qu'est 5 attaques? Qu'est? Quoi? Bah, Ton une fois attaque de sur. base et 3 attaques en réflexe maximum. Ouais, et Ça fait 4. une quatrième quand elle sera améliorée. La Ouais, zone. pour l'instant, c'est pas le cas, Jack. Oui, qui peut, qui pourra. Ah, qui pourra, oui. Enfin, qui peut. Je vais prendre l'initiative avec Edenal, s'il te plaît. Oui. Nous sommes Je la vais France est reclaquer d'accord. ça. Je vais reclaquer ceci. Oh, tu lui Et as mis venir un me tu-recule, caler. hein. Pff, comme un boss, hein. Vas-y, je D'ailleurs, t'en en prie. parlant de mettre des tu-recules, prochaine attaque subie sera un coup critique. Est-ce que je leur enverrai pas, voilà, ce charmant monsieur qui est une tortue qui est pas très rapide, hein. Vas-y. Tac, 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 tac. Engagez-vous, monsieur, engagez-vous, qu'il disait. On m'a dit engager, pas tuer. Eh ben, tu peux tuer l'autre.
Je crois que mon lieutenant, il a dit vous sortez. Non, j'ai dit tu recules. Ouais, bon, c'est pareil. Pareil, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Eh, c'est moi qui fais à manger. Hein. Tu veux pas manger de la soupe de chaussettes, Oh! mec. Hein. Ça, c'est sympa. La gambison précieuse. Armure intermédiaire. Eh ben voilà! Bah oui. On a un gadget qui va s'équiper. Est-ce que tu as des mecs qui ont perdu de l'armure? Non, il n'y a que chez toi, Edenal et Zinlen. Ok. Edenal, ça va. Zinlen, on a perdu un peu plus. Ok. Il est où le Steven? Steven? Ça dit pas de porter une vraie armure, Steven? Ouais, ben, la lumière me pardonne de dire ça, méritait de mourir de toute façon. Vous n'avez pas à craindre pour votre salut, tuer des hérétiques n'est pas un péché. Je vais avoir Warhammer 40 000 maintenant. Il me vient une autre idée, les collecteurs d'impôts passent toujours par un petit pont, non loin de là. Déjà, il est assez loin ton pont. Nous pourrions leur tendre une embuscade. Ta quête n'est toujours pas finie. Ben, je sais pas Ça où non. elle est. Moi, je connais le petit pont. Qui s'appelle le petit pont. Soldats sont toujours pris. On peut obtenir 3-20. Ah bah, je prends 3 picoles. Battre une patrouille entière à vous seul. Ok, les gens sont contents. Donc Tu ça peux veut dire couper qu'on du peut les bois. piller. Je suis sûr que t'as vu de quoi les piller. Ouais, il n'y a rien du tout. Le prochain repos n'est dans pas très longtemps, Il y a donc quoi pour ouais. les... Il y a rien pour les pieds? Si, si, il y a ta menthe fraîche là. Ouais, Oh, c'est voilà. bon, c'est ramassé. Mais Il y a sinon, il n'y a rien. vraiment Hein. R. Ah, ils ont R, hein. C'est vraiment des paysans. Quelle indignité. On va au petit Le pont? petit pont. Alors déjà, on a le campement de la Légion, on a tout droit à les découvrir. Ouais, il y a la tour de bandits qu'on doit faire. Il y a toujours du stuff assez intéressant. Hop, hop, hop. Ensuite, je vais pas être méchant, mais on va prendre les champis. Le camp de la Légion, je crois que le camp de la Légion d'ailleurs donne une quête que moi j'ai pas faite de mon côté. Hein? Parce que j'avais troussé les fesses à tout le monde avant de venir les voir. Ils m'ont dit bah du coup t'auras pas de prime. Ah. Attends, on peut embaucher un cheval? Oh! J'ai vu des choses. Je te laisse parler aux gens. Je sens que c'est le genre de sujet qui te passionne. Par le colonel. L'Église a obtenu du général de laisser la guerre, voilà. Et ce soi-disant élu rend la région instable et cet ivrogne de la Herse n'arrive pas à le vaincre. Si la situation se dégrade encore, nous devrons prendre le contrôle nous-mêmes. Donc on est sur un cas de figure. Tu peux rester en cliquant enfoncé, je crois que ça passe. En fait, on arrive dans un cas de figure, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais du côté de Cortia. Parce que moi, je pars du nom de la ville, hein, j'avoue, j'en sais rien du reste. Alors, je récupère le loot qui a été posé là. La situation est que les deux seigneurs locaux se foutent sur la tronche. Voilà. Ça. Un au nom de Dieu, l'autre par héritage culturel et naturel d'ascendance sur la région. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, je sais plus qui est qui, je crois. La Herse, c'est pas le classique. Et l'autre, je sais plus c'est quoi. L'Earth, c'est le l'élu de Dieu. Ok, c'est le catholique, on va dire. Ouais, c'est ça. Ah, Et du bois! c'est celui qui pourchassait notre copain le forgeron. Quel Des connard. poissons! Oh, ça. Deux poids Sky en plus. Hein. La plus d'XP. Là, hein, si je passe pas confirmé avec ça. Hein. Je sais pas ce qu'il faut. Ben, je sais pas, il t'en faut combien? J'en sais rien. Je trouve juste Dans le que ça fait longtemps compendium, que je pêche. qu'est-ce qu'on peut aller chercher? J'avoue, on n'aime pas claquer notre point. La suite de la frugalité, 5% de dollars de thunes de plus. Vas-y, je vais le prendre. Là, en vrai, notre réalité actuelle, c'est qu'on court un peu après le budget, en vrai. Et le prochain, c'est pour la gloire. Le groupe a tendance à se vanter après avoir rossé n'importe quel adversaire, et ce qui nous génère 5% d'influence supplémentaire. Pourquoi mon perso Ça, est c'est bien parti? ça. Ouais, ce Je sera pour le pêche en prochain. étant fatigué. Hein. Bon, Oui, on il n'y a pas de survivra. Hein. mal. Survivra à la fatigue de la pêche. Hein.
Et là, on apprend qu'un poney est encore mort. Je tiens à préciser que pendant ce temps-là, le lieutenant exige que vous applaudissiiez sa pêche. Mais t'es con ou t'es con, lieutenant? Alors Ça que fait ça fuir le fait fuir le poisson! poisson, tu sais. Ça fait fuir le poisson, lieutenant! Oui, mais lui kiffe de vous faire applaudir pendant des heures. Il tape son meilleur pied là, il a une goal bien dure. Est-ce que je peux t'applaudir avec les dagues dans le dos? Non. L'autricien de dos. Clung, 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 clung. Non. Refusez. Mauvaise personne que tu es. Ouais, on va couler ces gros plats-là. De la saucisse de Toulouse. Par Moi, contre, je verrais bien un petit plat comme ça. le fait de frugalité, ça a bien diminué le coût de la truc, hein. Ah ouais. Alors, ouais, on est quand même à 61. On rigole pas. T'es à 61, toi? En thune, 112. Ouais. Allez, on se repose. Par contre, la bouffe descend à une vitesse. Le jeu, quand il calcule 7 jours, oui, c'est vrai. Mais sauf qu'il additionne tout l'alcool qu'on en réserve, quoi. Donc, Ah, Zinlan a quelque chose à dire. Ah, ça y est, tu nous quittes? J'espère que Steven se parmi nous. Hein. J'aurais peut-être allé lui parler et l'accueillir comme il se doit. Personne ne t'aime! Même Steven qui vient d'arriver, il t'aime pas. Et d'ailleurs, il s'appelle pas Steven, il s'appelle Stevie. Hein. Ça suffit, hein. Ça suffit, Zinlan. Personne ne t'aime. Hein. T'avais qu'à choisir la flèche du chasseur au début. Hein. C'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Zinlan est blondine. Il est obligé d'avoir des rapports amicaux avec des guillemets. Avec une bestiole à quatre pattes. Et on parle pas de. Enfin, le lieutenant dit qu'on ne parle pas de. De Sophia et de Mela. Voilà. J'ai pas pire comme blague. Vous pouvez toujours voter YouTube pour votre personnage préféré, évidemment. Incroyable. Hein. Pouet-pouet. Je pense pas qu'il y ait besoin d'aller plus loin. Je crois que le pont il doit traîner par là. Oh, il y a du métal. Ah oui, c'est vrai qu'on peut courir. Tac, 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 tac. Ah non, on revient déjà au pont là? C'est un autre. Et ça, c'est quoi par contre? Des gens, visiblement. Des spadassins La de niveau Légion. 5 et tout. Oh, non, on va leur casser le cul. La Légion? Qu'est-ce qu'ils font là? Attends, alors, ceci dit, on va leur casser le cul, certes. Mais je crois dans un autre épisode. Dans un autre Ouais, épisode. 2 h 30 que YouTube nous supporte, c'est bon quoi. C'est bon. Dans un autre épisode. Ouais, des bisous ton tube. À la prochaine. Bisous ton tube. Ciao.